Mais un peu mieux, j'aime bien. Bah elle est... Ouais bah elle est pas... Je trouve elle est mieux. La Dominator quoi. Ouais. Elle est classe quoi. Ouais, elle est nickel, elle est nickel. Celle-là, ta fameuse voiture. Oui c'est elle. Mais elle est pas Ah encore full perf ou quoi donc... ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bientôt, bientôt. Bientôt je pense pas non. Pourquoi? Bah avec 800 dollars... Eh je t'ai rien demandé toi, circule! Un Vas-y, truc à ferme les dire pas! peut-être? Oui, Vas-y, oui. je t'écoute. On reste pas en plein milieu de la route, madame. Circule ou je t'encule. Waouh. Ok. Let's go. Ah bon. Tu comptes faire Ok. quoi? Ok. Ok, Voilà, je ça suffit. préfère. ça va, je rigole, je rigole, je rigole. Allez. Eh C'est noté, bien, on 59. est au gros saut. Eh non, j'ai fait un killer, hein. Quoi? J'ai pas quitté le... Bon, bonne boisson, hein. Circule ou je t'encule, j'avoue qu'elle était pas mal celle-là. Je vais peut-être faire de l'essence quand même. Quatre, huit, sept, quatorze, 94. Bien belle poésie, de ouf. Elle tue cette Dominator.
Waouh, comment il m'a coupé la route, fils de pute. C'est pas assez fort. Faudrait que... Alors attendez. Tu penses quoi du serveur? Ben le serveur, j'y serai pas depuis plus de 7 mois si... Non, c'est pas celle-là. Il y a celle-là, elle est agressive de ouf. J'aime trop. Oh, cette veste. Ah merde, attends.
C'était pas celle-là, et celle-là, c'est quoi? Faut que je trouve le t-shirt adéquat. Tu vois, c'est un t-shirt comme ça qu'il me faudrait là. En noir, bien sûr. Ça, c'est une robe. Il y avait celle-là, mais c'est pas ouf, ouf, quoi. Sérieux, c'est bien, hein? Celui-là qui serait le mieux. Mais on voit les ins qui dépassent.
C'est trop gros. C'est trop gros. Douf. C'est dingue quand même, hein. Ouais, y a que celui-là. Mais il est pas tant que ça noir, hein. Un full t-shirt noir, j'ai l'impression qu'il en est. Celui-là, c'est le mieux. Mais voilà. Gilet tactique lourd. J'ai même pas envie de mettre ça là. Tu veux celui-là, genre? Celui-là, genre? Ouais, mais je trouve que c'est mieux avec l'autre. On va continuer quand même. Il est où? Il y a celui-là en 73. On va que... Mais en fait, c'est pas question de débardeur ou quoi, en fait. C'est question que, vas-y, s'il n'y a rien qui fait joli, enfin, qui fait classe, et qui a à la fois... voyons. Et là, on les voit toujours, tu vois. Pas déconner non plus. Alors on va essayer quelque chose.
Celui-là. Et non. Mais c'est pas. En fait, c'est vraiment pas ouf une chemise noire, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Elle est où la diam? Oh, bonsoir! Bonsoir. Ça s'appelle un croche-pied. Je la vois pas la dame ici. Ouais. Bonsoir. Elle est cachée derrière le rideau. Ah, c'est Ah pour ça. oui! Par contre, vous êtes devant moi là, merci. Eh ben de rien, ça fait On s'en plaisir. va. Putain! Bah oui, bah ramène-moi mon uniforme, grognasse. Ah ouais, elle est bien cachée, hein. Elle veut venir, hein. Tac, tac, tac. Bah oui, cette tenue... Putain, elle est sacrément conne, cette femme. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Pas toujours mieux. Bah, il y a mon chien. Non, il n'y a que ces deux. Bah alors, 44? Gentle Que fais-tu là? dame. Je vais à la flic. Il y a une flica? Ouais, je dis rien. Ok, vas-y, bah je prends mon service moi. Je vais aller chercher mes Merci. armes. Merci à toi. Fais vite, va. Tu nous manques fort. Bon, pff, que dalle. Allez, bah en fait, c'est déjà...
4. Yo Tokyo, ça va ou quoi? Moi ouais, je me dis j'ai jamais ça sur ma dans ma Mustang du coup on m'a tué tout en plus alors Allô? Ah quoi? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Bah devant le poste, hein, tu connais. Hein. Qu'est-ce que tu fous devant le poste? Ah bah je travaille, je travaille. Comment ça, tu travailles? Bah je travaille. Ouais, Depuis je t'ai l'air fatigué. quand tu travailles, toi? Bah, depuis toujours. Attends la vie, pourquoi j'ai plus le temps de parler à qui que ce soit? Ouais, et tu fais quoi? Là je vais parler avec le. Avec 7-4 pour le contrat. Avec le Béniz. Oh, un contrat avec le Béniz. Ouais, parce que bon, si, après, si vous voulez continuer à payer, moi ça me dérange pas. Hein, ça fait de l'argent par une de mes boîtes. Donc, ouais, c'est pas un souci. Mais ouais, pense aux autres, du coup, hein, qui n'ont pas forcément les moyens pour payer des repas, quoi. Bah salut, je suis en face de toi. 09, la compagnie 61. Ah, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, madame? Bien. Bonsoir. Ah, bonsoir. Et vous, c'est qui? 74. Ah, c'est vous. 74, oui, c'est bien, c'est bien. Ah bah ok, Vous allez bien? enchanté, hein, du coup. Bah, ça va et vous? Très bien, très bien. Bah écoutez, suivez-moi, on va parler de tout ça du coup. Je te suis, je te suis. Prends soin T'as de des toi, soucis? Kurt. J'ai une flicca. Ah, bah vas-y, bon courage, hein, bonne chance. Et fais attention. Ouais. Et t'es pas une cyborg si jamais, hein. C'est bon, je le sais. Soixante-six, 18, bonsoir à tous. Troisième Lexi Kovaski. Je comprends pourquoi elle me répondait pas. Des 66 aux agents, hein, où se trouve la flicca, s'il vous plaît? Sur Burton. Juste au-dessus du poste. Ah, c'est bien pris, merci. Quatrième, Caleb Carter.
Est-ce que je me suis mis en service au moins? Non. Gagnons des sous. Ah, il faut les unités qui sont en bas, on a interpellé trois individus qui étaient sur les toits. Et du coup, le dernier otage, c'est Awandes Kotana. Dis merci, chérie. Merci. Merci, shérif. Merci, shérif. Ouais, tout pareil. 0961, j'appelle DHF. Eh, je gratte pas l'argent, mais au moins... Je répète, code rouge, il était sur une zone flicable, vous me les fouillez, etc. Enfin, vous me les palpez, carte d'identité, tout le bordel. Affi. Tu joues Maddy en bad? Non, je joue Maddy normal. Pas heureuse, pas triste. Genre en mode de... comment on dit déjà? Foulard. Je joue en mode... 0-9-31, je te vois le dernier. Rien à foutre, quoi. Des gens. Même des collègues. Ils peuvent crever, c'est pareil. Non, je déconne. En mode OZEF. Non, en mode... comment dire? Tu sais, genre, t'as pas du tout de... d'émotion. Là, c'était pour rire. Oh. Alors, préparez-vous à intercepter les otages, monsieur. En gros, du coup, on vous explique. Là, la première voiture, à l'heure actuelle, il va aller chercher une carte de hacking. Il va nous lâcher un otage avant de partir et un otage en revenant. C'est compris pour tout le monde? C'est bien pris. Nickel, c'est bien prêt. Je veux un collègue qui vienne à côté de nous pour récupérer l'otage. 30 d'arrivée. T'as dit on est en code rouge ou... Ouais, toujours. Avec ce qui s'est passé hier. Oui. Super. Comment ça va, Wamba, il n'est pas censé être... 24 heures en service. Ok. J'ai même pas envie de voir ce qu'il a foutu avec son col de merde. 21 n'est plus en service. Ça doit être un accident domestique et une explosion a été remarquée près d'une station service. Très bien, bravo, il continue, c'est bien. Bah force à lui. T'es en Lincoln, toi? Ouais. Ok. Salut. Ils m'énervent, ils prennent 15 milliards d'otages pour une banque. Bah ouais. Combien ils en ont? Là, ils en ont 5. Tu sais pourquoi? Par plein d'options, en fait. Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, là, du coup, 90, il est là, il bégaye direct. Du coup, bah là j'ai dû l'aider. Votre collègue est parti faire un dodo. Bah, attendez, bah allez voir les autres collègues à côté de la Mustang blanche, s'il vous plaît. D'accord, ouais. Super, tout de suite. Merci beaucoup. Quelqu'un qui se recoupe de l'otage, le collègue est en train de jamais. On sait qui c'est hein, ou pas? Il se revendique. Non, pour l'instant, mais je vais les forcer à revendiquer parce que. Est-ce que tu veux que je me pointe devant pour faire peur un peu? Bon, vous pouvez, mais je pense pas qu'eux ils ont peur de vous. C'est pas méchant, mais. Pas question de ça, mais question. Tu sais bien, ils aiment pas négocier avec moi, les gens, donc. Par contre, va vraiment falloir faire un rappel sur les armes lourdes. Pourquoi? J'en ai vu énormément depuis tout à l'heure derrière moi. On est en code rouge, on est en code rouge 30. Ah, on est vraiment en code rouge? On est toujours en code rouge avec ce qui s'est passé hier. Ah non, non, non. Hier, ils n'ont pas arrêté. Ça a été annoncé, service public. Mais il n'y en a pas assez alors? Sortez-moi les automatiques! Bah écoute, on vient d'interpeller 3 mecs là-bas qui étaient sur zone. On est d'accord que ça a été annoncé. Ouais, c'était annoncé. Ah, moi j'avais pas compris. Bah attendez, mais là. Hier, en fait, ça s'est pas calmé, donc je l'ai pas enlevé. Jamais autorisé. Moi 44. Mais je vais pas mentir que code rouge, moi j'aime ça. Attendez. Bah oui, attendez. Attendez, mais là je J'ai dit que ça se calme un peu plus aujourd'hui, demain on repasse en code. Ouais, là, je vais voir comment il fait ses négoces là. 90. Ouais, il a du mal, du coup je l'ai aidé un peu. Bah aidez-le, les gars.
en gros, je vous explique. Du coup, vu qu'il avait 5 otages et qu'en plus on n'a pas d'ASD, du coup j'ai dit 2 otages pour que tu sortes et que t'ailles me chercher une carte. Mes respects. Mes respects. Sheriff 44, ça se passe comment les 3 individus hors zone? C'est bon, tu peux. Alors pour les 3 individus, elles restent sur eux. Sur le terrain, t'emmerdes pas là. Avec leur véhicule, on les a. Ah, c'est important quand même. Bien sûr, mais bon. Bon, il en est où votre collègue? Il arrive, hein. C'est bon. Il est long, ce mais j'ai une question. Ouais. C'est... quel modèle, là, le véhicule en blanc, là-bas, là? Première fois, je le vois. Il s'appelle comment? Oh. Ah, peut-être. Peut-être un otage en échange de l'information. Oh. Non, mais je demande... Mais le nom, juste le nom. Ouais, bah moi... moi, je demande pas votre nom. Moi, je vous demande pas votre nom. Mais du véhicule, c'est pas le nom à toi. Tu sais, c'est pareil. Il y a un véhicule juste devant la barrière qui vient de faire demi-tour. Pareil. Le tir. Très bien, tu fais rentrer personne. Tu veux son nom? Occupé deux fois et masqué, mais ils sont partis. C'est vrai que là, tu peux dire le nom. Non, mais là, non, là, ils vont pleurer pour la Corvette. Alors que la Corvette, elle est pour information, on a une. Mais elle est comme la Mustang. Non. Sachez que j'ai pris la j'ai supplié 44 pour me prêter une Corvette, il me l'a prêté. Ouais, j'ai réussi, c'est l'école. 10 minutes après, je l'ai rappelé, je lui ai dit gardez votre mère. Ouais, il vient de dire à nous et les individus. Et du coup, la SD, il m'assure ou pas? Était menaçant. Non, mais tu dis qu'elle est au rouge, en gros. Il est là, il est à côté, la SD. Il est posé sur un toit. Vous voyez le poste, il est à moins de 500 mètres. Il est déjà sorti, il est en attente. Tu vas dire quoi? Tu dis il attend sur le toit. Il est sorti, il attend. Oui, là, ça sert à quoi d'user le plein pour revenir juste ici? Ouais, c'est ça. Ils sont masqués, mais voilà, tu vois. Tu le dis, je suis honnête avec toi. Henri sur le FIC. Tu fais le mec gentil, tu vois. 5-9, tu peux sortir une Henri ou pas? Ça fait défaut. Ah ouais, tu m'as spoil là, Nao. Attendez, pour t'entrer, apparemment, l'otage aurait vu deux hommes armés de. C'est qui les personnes là? Les preneurs d'otages? Hein? Pas de revendication pour l'instant. Pas de revendication. Pour information, 44 étant le seul. Ils ont des grosses couilles, ma parole. En même temps, je leur ai pas demandé. Je leur ai demandé juste après, quand le stress sera revenu. Comment ça, c'est le seul à voir la Edwards? Toi, moi, il y a la moitié de la ville. Ouais, je retourne PDS et j'en sors rien. Tu peux. Tu veux bien. Tu peux réitérer, s'il te plaît, parce que j'ai pas entendu en radio. Non, je disais le seul. Je suis le seul pour l'instant à être en Edwards. Ouais, oui, donc, après on a des veillards, hein, donc... Bah ouais, mais bon... Si jamais 44, vous avez pas quelqu'un avec vous? Force à toi, dans Paluche. Vous avez pas mal. Qui tu veux. Hein? Quelqu'un qui peut lui faire l'école radio. 50 va venir avec vous. C'est ce que je t'ai expliqué à ta formation. On ne donne à rien. Allez, 50, je suis dans la Corvette blanche. Allez, vas-y, 50. Oui, affirmatif. Merci, mon loup, d'avoir mis sur la sécule, là, Vika. Merci. Ouais, vous avez pris assez de photos, là? J'ai pas regardé, mais... Ouais, c'est ça. On est déjà à prendre des photos, mais oui. Ok. Ok, faites des calls pour la masterclass. À tout moment, attends. À tout moment, je suis masterclass. Attends. Faites gaffe à vous, par contre. Toujours au même endroit, pour l'instant, on est encore sur les négociations. Attends, oh, à tout moment, je suis masterclass. Si c'est ça, c'est trop fort. Non, attendez, parce qu'il vient de me dire, attendez, je viens d'acheter une carte. Est-ce que je peux savoir si quelqu'un s'est occupé d'une demande de 1052 ou pas du tout? Il y a personne qui l'a fait, j'en suis sûr, il y a personne qui l'a fait. Négatif pour un part. Négatif pour 66. Et ça, ah, tu les amis... Ouais, t'inquiète. Je refais. Ils sont tous pas là? Et salut à tous les amis, voilà, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un braquage de supérettes, de banque, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc... Putain, je suis obligé de refaire à cause de vous. Je suis obligé de refaire. Mais sérieux là? Ah, c'est bon, j'en ai un. Et ça. Putain. Allô, j'ai besoin d'une info importante. Et c'est le tu viens de vendre une carte Flika à quelqu'un il y a 10 minutes là? Bon, même pas. Jure, voilà. Voilà. Je vais attendre qu'il parle. C'est qui? Tu jures, hein, tu jures, hein. Arrête de gueuler, elle est 30 par contre. Ok, parfait. Je chuchote, je te jure, je chuchote. Oui. Bon, vas-y, la bise, bonne journée. Non, c'est les maîtres oiseaux parce que les maîtres oiseaux ils m'ont dit que c'est les seuls. Du coup, bah je les ai appelés. S'ils m'auraient dit, oui, on vient de m'en acheter une parce que eux ils ont des grosses couilles et ils le disent. J'aurais dit, oui, c'est logique. Il y a un corps d'unité
en unité en radio 1, si je me trompe pas, d'accord. C'est pas les madrasos. C'est pas les madrasos, parce que les madrasos, ils sont pas cons, ils en prennent 4-5 sur lui. Normalement, et je viens de l'appeler, il m'a dit, ce soir, on est en day off. En gros, là, ce soir, il y a que le bras droit, quoi, qu'il est là. Ça veut dire que eux aussi font des cartes flics. Mais c'est ok. Il n'y a pas que les madrasos qui s'en font. Ah. Mm-hmm. Ok. Ah, oh, c'est une dingue. Ça. Allez, il s'est tapé l'hélico. Ah là. De quoi là. Bon. Il en est où votre collègue là? Ouais, il arrive, mais ça fait 10 minutes, vous me dites qu'il arrive là. Non, il arrive. Qui c'est? Hein? Donc voilà les amis, là-bas. Voilà aujourd'hui non, les policiers s'énervent. Non, il arrive vraiment, messieurs dames. Ouais, non, parce que ça fait quand même là un moment là. T'es là dans combien de temps exactement? 3 minutes. Ouais, 2-3 minutes. D'accord, merci. Bah pourquoi vous êtes aussi aigri? Non, c'est que c'est long. Bah je suis désolé monsieur, mais je crois que c'est au nord. Mais vous êtes nous là. HKNT, la chaîne est regardée avec les leaks. C'est long. Mais là il va pas tarder du coup. Voilà, la chaîne est. Oui. Enfin, on vous a quand même laissé partir un véhicule pour aller chercher ce qui vous manquait, donc bon. Bah écoutez, oui, on n'est pas doué. Ouais, essayez de prévoir la prochaine fois, ça évitera cette longueur d'attente. De quoi? Qui a fait le coffre? Qui s'est raté là? Allez, avouez les péchés. Celui qui est parti. Qui est parti. Ah, bah, c'est lui voilà. Qui l'a raté. Allez, pour les unités qui sont pas dispatchés sur des véhicules, vous pouvez vous déplacer directement sur la bijouterie en cours. Moi franchement, ça mérite une punition quand même. Quel genre de punition? Je sais pas, madame, vous le punirez à votre aise, hein, mais franchement, il a raté une fois. J'ai une question. Est-ce que un 3 se considère plus fort que lui pour ouvrir le coffre? C'est le meilleur pour la circulation. Oui. Du coup, moi j'ai une petite question avant tout ça. Vous revendiquez ou pas? Peut-être. Parce que vous avez quand même des grosses couilles pour voir une banque et demander quand même. Vous avez raté une fois, vous êtes demandé pour sortir, aller en rechercher une. On est bien gentil avec vous. Franchement, si vous revendiquez pas. Madame, on n'est pas n'importe qui. Bah d'accord, bah si vous êtes pas n'importe qui, dites-moi qui vous êtes. On est les plus gros braqueurs. D'accord, et c'est quoi votre nom? La revendication. Ouais. Alors, moi, c'est James. Il n'y a pas de nom. Très bien. Ouais, donc en fait, vous avez pas de grosses couilles et vous êtes pas les plus gros braqueurs. Les plus gros braqueurs, vous savez ce qu'ils font? Bah, ils se revendiquent. Ils assument leurs conneries. Et bon, on était gros. En cas de braquage, voilà. Bah, déjà, hein, la preuve, il a raté sa carte. Hein, il a dû en rechercher une. Hein. Après, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde. Oui, bien sûr. Bah, si vous êtes les plus gros braqueurs, normalement, vous avez même pas le droit à l'erreur. C'est que vous êtes bon. Bah, si, tout le monde a le droit à l'erreur. Ah, pas les plus gros. Bah, bien sûr que si. Non. L'erreur est humaine, hein. Oui, bah écoutez, vous faites une bombe braquage de banque, donc niveau et humanité, on en reparlera. Vous avez pris en otage des gens, vous... Mais ça n'empêche pas que l'erreur est humaine, madame. Oui, vous portez à l'atteinte... Pardon, vous êtes un petit peu trop rapproché, monsieur. Non, j'ai pas fait ça. Les otages, comme je vous en dis, ils aiment bien. Ils sont bien, entre guillemets. À chaque fois qu'ils ont dit, ils ont dit, ouais, ils sont sympas et tout. On prend soin d'eux. Là, d'accord. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de danser. Vous inquiétez pas, vous inquiétez d'accord. Pas. D'accord. Voilà, là, j'en avais marre. Putain. Ah bah tiens, elle vient de dire quoi? Elle vient de dire, voilà, j'en avais marre. Et tu viens de me dire que, visiblement, ça lui plaisait d'être avec vous. Oui. Donc, moi, j'ai une question. Madame Lexi Kowalski, est-ce que vous en avez marre d'être dans cette banque? C'est surtout les autres otages, ils ont l'air teubés en vrai. Du coup, on peut pas faire grand chose pour votre état psychologique, j'avoue que là. J'avoue qu'on a pas de notre faute. Hein. Ah, j'avoue pas trop choisi les meilleurs là. Ah, on a choisi vraiment les pires. Hein. Ah là. C'est quoi les noms des otages 30? Bah, ils sont sur le. Ils sont dans la salle. De toute façon, c'est toujours les mêmes, c'est l'habituel. Il en manque un. Il en manque un qui se fait tout le temps braquer. Pour une fois, il est pas braqué. Il doit être en date. Oh, super. C'est Days. Comme d'hab. Encore? Mais non, il est pas pris en otage pour une fois. J'ai peur. Vanouid, il arrive, parfait. Ouais. Dès qu'on voit la voiture, on veut sortir. Attends, on aurait dû faire un barbecue en attendant, vraiment. Ça aurait fait passer le temps. Mais sinon, vous avez passé une bonne journée. Après, là, il a voulu négocier, il va aller retenter le coffre. J'espère il a pris du rab. Attends, ils ont pas un flic en otage. Mais il va rentrer dans le secteur là. Non, ils ont pas de flic en otage. Non mais oui, il va rentrer. Non mais là écoutez-moi. C'est bon, c'est un dealer.
J'espère, il a plus durable là. Vas-y, allez, allez, allez madame, allez-y, madame. Parce que là, il n'y aura pas deuxième chance, hein. Il se foire, on ne laissera pas repartir. Hein. Allez, c'est t'es bon, gros cheveux blancs, oui, dégage. Ah, parfait. Oui, c'est bon. Mais ta gueule. Allez, voilà. Quelqu'un s'occupe de madame Cole. Numéro de tâche, très vite, je pensais qu'ils étaient gentils avec vous, visiblement, ils sont pas très tendres. À la fin, non. Ça mérite des claques, ça. Je vais les enterrer. 14, tu t'occupes de madame Kowalski, s'il te plaît. Salam alaykoum, tu prends les informations de la bah, de quoi il y a l'esprit, donc photo, bah, numéro de téléphone, nom, prénom, s'il te plaît. Bah, alors, attends. De quoi? Je te laisse t'occuper d'elle, du coup. Ouais, ouais, 59 ouais. pour 37, merci. Du coup, tu t'occupes du dernier otage qui est sorti, tu me prends photo, nom, prénom, numéro de téléphone. Bon, bah, j'ai rien dit, c'est 37 qui s'en occupe. 66, 26. Ok. Et 600 d'autres pour rentrer, si tu veux. Et tu me mets tout dans la situation. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est qui, là? C'est Bill Peluche. Putain de merde, t'es revenu toi! Ah putain, t'es toujours là toi! C'est plus intéressant parce que. Eh bah ouais hein! Si, je voulais te faire voir Paluche, mais pas dans ces circonstances là! Ouais, pas dans ces circonstances là! Mais non, mais c'est ici! Dites-neuf? Ah oui, c'est ici! Bah alors, toujours aussi bruyante! Pardon? Toujours aussi bruyante! Toujours aussi bruyante! Oui, toujours aussi bruyante, je suis aussi ta supérieure donc s'il te plaît, un minimum! Oui, et en plus il y a un gros fusil. Donc, à mon avis, c'est la fameuse bijouterie qui est en attente. Du coup, je veux une unité de la PK qui se décroche. Je décroche, j'arrive sur la bijouterie. Pour info, c'est la PK qui a été relancée. Ok, bah faut ça alerte alors. Bah, du coup, je décroche pas. C'est bon, ça s'est passé avec Kurt. Ouais, ça s'est passé, du coup, c'était pour le contrat Bénis. Ouais, je sais, je sais, il m'a dit. 74, vous êtes combien d'unités sur la bijouterie? Bah, actuellement, il n'y a pas de bijouterie, c'était donc une fausse alerte de la part centrale, du coup. Ouais, c'est normal, c'est normal. Je crois que l'alerte correspondait donc à une bijouterie, mais c'était le braquage qu'on est sur. Oui. Du coup, sur lieu qui se relance. Ah, mais c'est minimum 2, enfin, maximum. Enfin, à partir de 2, vous me prenez un hélico? Bah, en fait, dès que vous faites quelque chose d'illégal et qu'on se dit, bon, allez, pourquoi pas, bah, on le sort, quoi. Pourquoi pas? Là, on s'est dit, bah, surtout qu'on est en code rouge actuellement, donc. C'est vrai qu'on est en code rouge, normalement, c'est hélico armé, normalement. Mais bon. D'ailleurs, on est censé même sortir la TF, mais bon. C'est quoi ça, TF? Vous avez pas de nom, ça sert à rien. Ouais. C'est que. Casse-les. Ouais. Pas de revendication. Les frères, c'est la meilleure arme du monde pour braquer une banque, ça. Bon, vous souhaitez reprendre les négociations ou pas? Dis, 74, ce serait pas temps de te sortir une petite unité TF là, parce que on est quand même en code rouge. Pour le Nico. On est en code rouge? Bah, on est en code rouge, c'est ce 44 qu'il a dit. Là, c'est à moi que vous posez. Pardon, ouais. Okay, bah, répétez ce que j'étais. L'hélico, vous devriez vous poser pour le fuel. Alors, attendez, c'est la radio. Vous. Là, j'ai entendu. Là, il vous en reste 3, on est bien d'accord. Ouais. Je pense que pour l'hélicoptère, on peut négocier contre un otage pour le moment. Pour le moment, ça, voire deux. Deux, ils en ont 3, n'oublie pas. Un otage. Eh ben, justement, ils en ont 3. S'ils en ont 3, il faut bien qu'ils. Eux, à bout d'un moment, il faut bien qu'ils puissent enlever les barrières. Oui, du coup. Ouais, quand il arrive, j'allais en demander 2 sur les barrières. Ouais. Du coup, la 2 sur les barrières. Ouais. Vous allez, du coup, vous split. 16, tu vas prendre, du coup, l'Edouard, puisque je pars en TF avec 74. Du coup, 6-6. Non. Ouais. Tout à l'heure j'analyse, je sais qui va avoir quoi. Du coup, ceux à vraiment vouloir en priorité. Lui, on s'en fout. Il est là pour le spectacle. Tu vois, lui, on s'en fout. Totalement. La meuf, pareil, c'est les deux autres qu'on veut. Ouais. Parce que ils ont split. Non, lui, on s'en fout, tu vois. J'ai vu avec celui qui braque, etc. Il a vu un otage pour l'hélico. Non, 2 otages. Un otage. Déjà, on veut parler avec lui. Ouais, déjà, oui, bah, en gros, il est en train de braquer, du coup, c'est moi qui passe les infos. Ouais, bah, c'est pour ça on attend qu'il ait fini. Non, bah, il vous montre mes fesses, voilà. Parfait, on attend. Voilà, évitez de vouloir rompre les négociations, monsieur, parce que sinon, on va devoir préparer des colonnes d'assaut. Non, ça va aller. Donc, prévenez la personne qu'on négociera qu'avec lui. Mais il est en train de braquer, là. Oui, très bien. Fini et après, voilà. On attendra. Il a pas de prochain lundi. Il a pas de truc de. Eh, 61, s'il vous plaît, je voudrais veiller qui prenne ma position là pour bloquer la route, s'il vous plaît. Mais non. Mais non, frère. Mais y'en a des otages. Et non, mais vous. Non, écoutez-moi. Là, vous êtes seul, hein.
Écoutez-moi, oui, mais bon, je vais fais un col radio et on abat les otages. Tu veux vraiment faire un col radio, le maintenant tout de suite. Bah non, pas braqué. Écoutez-moi, que vous ayez otage ou pas, code rouge, vous touchez un otage, on vous assaut, sachez-le. Justement, mais on va pas abattre un otage, j'ai dit si... Mais je vous le dis au cas où, hein. Oui, je suis d'accord. 14 pour les deux coups. Sache une chose, ce genre de situation peut arriver. Hein, si on vous prend, nous, de notre côté, vous avez plus de choix. Hein, donc ce sera otage contre otage, hein, effectivement. Ouais, on devient des braqueurs, ouais, effectivement. Ouais, je suis gentil avec vous. Mais... Non, je vous préviens, on est en code rouge, monsieur. On n'est pas. On n'est pas c'est pas les bisounours là que vous avez en face de vous. Du coup, faudrait redispatch mon. C'est pas les barbes à papa. Et qu'ils prennent le lead. J'ai vu l'arme que j'avais pour braquer. Madame Trottet, vous non. Les autres à l'intérieur, ouais. C'est vrai. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des bisounours. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Je pense que l'arme que je possède entre les mains en dit assez long. Ah ouais, non, ouais. Voilà. C'est quoi ? On n'est pas là pour rigoler, on est là pour récupérer les otages en bonne santé. Et vous attraper derrière, bien sûr. C'est vrai. Et juste une petite question. Oui. Si je me fais attraper, j'ai quoi ? Tu verras quand tu te feras attraper. Pour information, c'est modifié. Hein. L'Edouard du coup 16 plus 15, vous irez sur la félone. Ça dépend des circonstances, ça peut être aggravé. Mais là, je suis gentil. Oui, mais ça dépend comment ça termine. On vous a pas entendu, radio. Donc 2 minutes, là, si je comprends bien. Vous autoproclamez meilleur braqueur du monde, mais vous avez peur de vous faire attraper. Ah si, mais apparemment, sur le truc, c'était pas modifié. Ah non, j'ai pas peur, j'aimerais juste savoir. Je sais pas, moi, les meilleurs braqueurs du monde, en tout cas, ils se revendiquent. Je suis albinos. Pas envie. Non, moi c'est Kalash Krimi roux. Est-ce que je suis roux ? Pas envie, parce que si on se revendique, vous allez savoir qui on est, donc si jamais on part. Bah écoutez, il y a des personnes qui se revendiquent, c'est pas pour autant qu'on va les choper, hein. Non, mais moi c'est Kalash Krimi roux. Arrêtez de crier, arrêtez de crier. Adam Trottet, on revient sur la figure. Mais non, mais je parle tranquille avec eux. Non, on parle pas avec eux. Mais si, tranquille. C'est dingue ça, tes petits copains, ils ont peur de nous parler, c'est fou ça, hein. Là, je chuchote, tu vois, je te parle doucement pour pas qu'ils entendent, mais franchement, c'est dingue. Les gars, ils ont pas peur de quoi ? Leur nom, ils ont peur ? Vous êtes tous amis, j'ai un club de golf, vous voulez que je fasse quoi ? C'est ce qu'on est en train de dire, justement. Mais je négocie pas, les gars. Mais je parle vite fait avec eux. Ok, pardon. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le négociateur, actuellement, il est en train de braquer. J'en sais rien. T'es lorsque tu passes ton casque là. Les deux dressements, c'est les poules aux œufs d'or, les deux. Lesquels ? En gros, les deux dreads blanches. En gros, parce que quand il était plein sur lui, j'ai très bien compris leur plan. Quand l'autre, il était plein sur lui, il est revenu, il a dit toi, viens. Il est venu avec lui, il lui a donné, il est reparti braqué. Et lui, il est revenu instant. Ok, t'as capté ? Bizarre. Ça veut dire qu'en gros, les deux, c'est sûr que c'est des mules sur eux. Ok, ok. Je suis sûr de mon coup. C'est une exemplaire et une... Félone, ok. Moi je vais être... Attends par contre, moi je tiens à dire, on a dit où est la Nora. Moi je faisais partie de la Nora parce que bah on était en formation avec eux de base. Ouais. Et moi je vais à pied moi. Bah tu seras avec moi si tu veux. Allez, je viens avec vous. Par contre, non c'est bon. Tu enquêtes pour la flic. Allez, écoute. Il y a moult convois qui tournent autour de vous. Deux motos et deux SUV. Réitérez 44, j'ai pas entendu. Il y a tout un convoi qui tourne autour de vous. Deux motos, deux SUV, dont une félone grise. Alors, j'ai pas d'info de groupe. On est en code rouge. Si jamais il s'approche trop ou qu'il tente trop souvent, on fait des sommations, tir en l'air. T'es bien pris. Affirmatif. Il reçu. C'est qui là ? T'es 37 et t'es 21, toi. 21, passe de l'autre côté du périmètre, s'il te plaît. Mais... Te fais pas choper bêtement par des véhicules qui passent. Mais il est con ? Putain, 21, De l'autre côté, putain ! Comment ça, de l'autre côté ? Viens là. Shot fire, s'il te plaît. Pourquoi on a une personne de l'avant en plein milieu ? Oula ! Pourquoi elle est là-bas ? Elle a dû avoir un mal de crâne, les chers. Vas-y, repars là-bas, dépêche-toi. Pourquoi elle est là-bas ? Oulala. C'est bon, je m'en occupe. Ok, t'as mars. Je m'en occupe ! Décalez, tout de suite, c'est un ordre ! Bordel ! 21, putain. Mais c'est rien, moi.
Mais faut que t'es... Non, t'es... Ça va? Mais j'ai rien. Ouais, désolé, je vas-y, vas-y, cours de l'autre côté. Elle te dit un truc, tu obéis, sinon tu vas damer vraiment. Non, non, deux otages contre l'hélico. C'est lui qui tentait ça, mais non, ça nous va pas, nous. Ah. Ouais, ça me semblait bizarre, un otage contre l'hélico. Hein. Ah ouais. Par contre, petit truc, si les personnes qui tournent autour du périmètre de sécurité, ils font partie de votre petite famille, prévenez-les, hein. Parce que nous, vous savez qu'on est en code rouge, là. Ouais, comment ça, code rouge? Ah, on est en code rouge depuis hier, hein. Ah bon? Oui, oui. Ah, j'étais pas au courant de ça. Bah, on serait pas avec nos M4 en face de vous, gilet pare-balles, si c'était pas le cas, monsieur. Ah, j'étais pas au courant que c'est le code rouge. Ah merde. En fait, vous savez, le code rouge est là à l'heure actuelle, il va encore rester jusqu'à demain et encore à voir. Parce que vous comprenez pas que la ville, le temps qu'elle se calme pas, ça restera code rouge. Donc, tant qu'il y aura des braquages. En fait, oui, mais parce qu'il y a des prises d'otages sur agents de l'État, il y a des multiples braquages, donc forcément, au bout d'un moment, vous savez, voilà. Ce qui est normal, mais j'étais pas au courant de ça du coup. Eh ben, vous êtes au courant maintenant, donc parfait. Vous étonnez pas de nous voir avec ces armes lourdes. Moi je me suis pas étonné, hein. Pour moi c'est normal, hein, pour vous dire. Ah bon? Bah, vous voyez la plupart du temps avec des armes lourdes, hein. Bah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Putain de merde. Je vous vois tout le temps avec des M4, hein, ça me choque pas. Hein. Bah, on est tout le temps en coup de poing. La seule fois. Je vais rien dire. J'allais dire, les seules fois que j'ai ma M4, c'est quand on braque à la K-47. Oui, bah moi aussi, en général, c'est quand on essaie de me braquer que je sors ma M4. C'est bizarre, quand même. Franchement, des bons fils de pute, hein, j'imagine pas, hein, franchement. Ouais, franchement. Les gens, ils me braquent à la K, moi, je sors la M4. Hein. Ça m'étonne même pas, hein, t'as bien raison, 30 ans. Oui, oui. Il va leur tirer dessus, ces gens. De toute façon, dès que t'es flic, ça veut nous tirer dessus pour aucune raison, alors bon. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, 66, tout à fait. Bon, du coup, des fois, on passe juste en véhicule, ouais, ça vous nous tirer dessus, c'est dingue. Hein. Vas-y, bah, je te ramène ça, franchement. Tu vois? Deux otages, hélico. Ouais, ah, bon. Par contre, la seule fois que je sors ma M4, c'est vraiment quand j'ai une AK-47 ou un peu bon qui me vise. Hein. C'est vraiment. Moi, en général, c'est toujours un code orange ou code rouge. La seule fois que je l'ai sorti. Sans automatique en face, c'était hier parce qu'on a joué aux grosses couilles avec moi et ils m'ont tiré dessus et j'étais que deux avec Suzy. Oui, allô, un peu occupé, je vais t'avouer. Dis-moi. Ouais, ok, vas-y, attends. Allez, avec moi. Allez, avec les policiers. Madrazo, il travaille au Bénézé. Quelqu'un prend charge de l'otage, s'il vous plaît. Et venez, suivez-moi, on va aller avec un agent. S'il vous plaît, un agent. 37, mentarde. Merci, venez. Du coup, même procédure que pour l'autre otage 37. Oui, bien sûr. 50 pour 44. Oui, mec, non, vous pouvez. Bonsoir. Ok, parfait, on va faire le hélico. C'est pas bon, c'est rien, là. Du coup, la SD, vous partez, s'il vous plaît. Donc vous êtes négocié contre deux otages. Très bien, les gars, y'a pas de problème. J'essaie de raconter un maximum d'informations sur vous concernant les deux véhicules. T'as dit le col quand on doit partir? Ouais, c'est bon, je viens de le faire. J'ai pas fait gaffe. Bon, bah voilà. Je suis en bas de vous, 44. Faut arrêter de tirer, hein, ça va leur faire peur. RAS pour les 6-31. Bon, bien, du coup, il vous reste un otage. Bah, du coup, un otage, hein, pour la libération de la voix, hein. Je pense que tu connais la chanson. De quel côté la voix? De quel côté? Côté gauche? Ma gauche? Et votre droite? Votre gauche? Ok, ça marche. Bah, présentez-nous l'otage alors et on la libère. Ouais, si je vous le ramène. Il en reste un après, c'est ça? Non, c'est le dernier. Oh, remarque, attends, j'allais leur demander qu'il libère maintenant parce non, que non, sinon. Non, mais s'il le libère maintenant, mon assaut, c'est vraiment. Ah bah oui. Préparez-vous, ils vont libérer le dernier otage. ATF. Pardon? Ils vont libérer le dernier otage là. Arrêtez, t'en joues un peu. Quoi? Ils vont libérer le dernier otage, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'otages. Très bien. T'es un petit tendu là? Bah ouais, c'est leur dernier otage. Mais ils sont faits. Mais attendez, ils vont le sortir et dès qu'ils sortent, bah. Attends, mais s'ils le sortent, on intervient. 09 pour 37, je rappelle que les AMS sont là pour s'occuper des otages s'ils sont blessés. Attendez, visez pas. Parfait. Montrez pas qu'on est. Qu'on est vénère. On a envie de le péter la gueule. Parce que à tout moment, ils rentrent dans les véhicules, ils se barrent. Mais là, vu comment sont positionnés leurs véhicules. T'as vu comment ils sont positionnés leurs véhicules? Ils vont mettre déjà 45 minutes avant de décaler. À tout moment, je fais poum poum, y'a plus de pneus. Poum poum.
Tir croisé, les gars, tir croisé, on a 4 M4. Par contre, faudrait peut-être prévenir à la radio que ça va sûrement shot. Hein. Ça peut potentiellement shot fire. Affi, on se tient prêt. Tenez-nous au courant, les négociateurs, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, elle est nickel. Oui, Affi, on vous prévient. Et ils vont sûrement descendre avec, ça se voit. Ils sont en train de monter dans les véhicules. S'ils sont pas cons. Après, on peut leur faire les pneus parce qu'ils ont enlevé aucune barrière là, si. Non, non, non. Ah bah, ils ont enlevé aucune barrière, ça va leur faire les pneus à la sortie, il y a des herses. Hein. Ouais, mais le dernier otage en fait est censé être pour les barrières. Bah, si, par contre. Pour la Henri, est-ce que vous pouvez regarder une petite ruelle, il y a une primo qui s'est garée dedans, les occupants sont descendus, s'il vous plaît. Ok, go, on y va, les gars, on y va. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est laquelle ruelle? Vas-y, là, 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 tu. Là, là, devant. La TF, Siran. Affi. C'est comment, la négoce? On est en train de négocier. Je suis juste en dessous de vous. Elle est où la primo 44? La primo pas. Ah si, on revient sur zone du coup la TF. Bien pris. Ok, donc c'est des complices, hein, c'est sûr, ils font des cols dès qu'on monte. La TF, allez sur votre droite et montez sur le bâtiment, comme ça on aura une vue en hauteur. Let's get. J'ai reçu un DM, les gars, ça me fume de rire. Le gars qui joue Bruce, il m'a envoyé une photo de Maddy de dos. Il marquait putain de châssis, la Mustang. Senti, c'est sûrement off radio du fait qu'elle est en négociation. Ouais. Négatif, je suis pas off radio, je l'ai juste dit se mettre du bon côté du périmètre pour éviter de se faire PO bêtement. Et je ne sais même pas ce qu'il fout là de base. S'il est pas en service, pas sur le trilo, il dégage. Je crois qu'il est même pas en tenue, c'est pas lui avec la chemise blanche. Il est anti-vil. Bon, Wamba, tu dégages d'ici, tu vas prendre un véhicule, tu dégages. Vous m'avez dit. Je t'ai dit de te mettre derrière le périmètre de sécurité parce qu'il y avait des véhicules qui tournaient. Maintenant, tu n'es pas en service, donc tu sors, tu t'en vas. Bah, tu n'as rien à faire ici. Avec les CMS. Non, t'as rien à faire ici. Comme ça, mais je fais partir. T'as rien à faire ici, tu pars. Je sais pas qui c'est qui parle à l'arrière. Qui est la personne qui a amené Victor Wamba avec lui? Je sais pas. Il s'en est lui-même. Il est venu tout lui-même. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'il y en a un qui peut le déposer en ville, s'il vous plaît? Deux mecs Bucky pour le barrage. S'il vous plaît, vraiment, parce que là. Fatigue, c'est pas possible. Côté. Non, demain, je suis pas dispo. Ok, 44 code prioritaire par rapport à Henri. Nous avons les deux individus, on sait à qui appartient les véhicules. Ah oui, Maminga. Ah si. Répétez ? La famille Mawinga. Les deux véhicules appartiennent à Ali Mawinga, la félone et l'exemplaire. Très bien, quelqu'un me donne le dossier s'il vous plaît. Et concernant la primo qui tourne, vous avez des infos ou pas ? Pour les infos, on a photo, plaque d'immatriculation, registre. Est-ce qu'un agent peut me rendre un service? Appelez Ali Mawinga. Je passe son numéro. Sûrement trouvable sur le MDT 66. Les individus se préparent à partir d'ici très peu de temps. Libérez la voie de ma gauche, à ma gauche s'il vous plaît, direction Golf.
négatif, temporiser un petit peu avec la voix. Est-ce que toutes les unités sont prêtes ou pas? Le SUV recule un peu pour qu'ils se prennent les herses. Affirmatif. Là, pour le moment, vous allez les laisser passer à votre gauche, faut qu'ils passent à votre droite. Toutes les unités sont prêtes? Affirmatif pour Edouard 15. Affirmatif pour Adam 14. Ils vont partir. Affirmatif pour Adam 31. Monte. 30. Oui, excusez. Bah monte. Dépêche. Allez, vas-y, go. Faites attention vers la bijouterie, il y a encore des herbes, hein. Faites attention. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. On bombarde la bagnole, là. Hein. Enculé. Oh là là, on a des agents, ils sont incompétents. Par contre, excuse, j'avais oublié, je partais avec toi. J'ai vu, oui. Mais de toute façon, ça change rien, parce que regarde, on va tirer à la banque. Dors, de toute façon. Bon, 90 par contre, on l'a perdu, hein. Non, tout droit, cimetière, fais-moi confiance. Tu vas voir. Edouard 15, on est seul sur le 10-5. Et après, tu vas de 10-35. Tourne là, tout droit et tout. On est derrière vous, Edouard. Côté gauche. Il est vite un peu loin. Ouais, perdu. Tout droit, je viens de le voir, tout droit. Vraiment, je viens de le voir, il est parti vers Borgonchot. Après, là, j'aurais pas plus d'infos, hein. Si on l'a pas. Quartier familier. Ouais, bon, on va aider la voiture parce que là on l'a pris. Direction la case d'un départ. Mais je te jure que je l'ai vu en plus. Ils ont bloqué. Et oui, ils sont cons parce qu'ils se sont tous dit: ah, bah on va prendre le petit direction chemin. PDS Davy. Merci qui a fait le périmètre de sécurité 09. Il l'a jamais enlevé. Oui, mais ils prennent une voiture, ils la déglinguent, c'est tout. Non, mais il n'y a pas que ça qui me. Attends. Laisse-moi écouter l'école radio. 09 pour la TF, la banque a déjà été sécurisée. Quartier Wagon. J'étais bloqué, j'ai dû te fouiller. Il y a des tirs au niveau de la banque. On y va. En oeil et de notre banque. De la dame 66, on se rend sur la deuxième banque. Attends, enlève la pause que t'as mis sur le GPS. Ouais, c'est bien pris. Tiens, vas-y. J'ai mis les pauses. Tête pour attentif. Elle écoute. Autodation, dame 37 de 30 sur les 10 31. Dépêche. Ah, fini. Non, j'ai chaud, je te laisse. 30 de tête sur 10-19 sur les derniers 10 31. Je sais pas. Là, vraiment, je sais pas, c'est quand prêt. N'attends pas cette semaine, ça doit être la semaine d'après encore. Attends. Bordel. Par contre, ils nous ont complètement bloqués. Ça me tue. Tout le cul, vraiment. Et y'a même pas que ça. 59, il a pas réussi à gérer le terrain. Je l'ai appelé 10 fois pour lui demander si. Bah après il est passé en TF et il a plus rien dit. Bah oui, mais c'est pour ça que je voulais l'appeler, lui proposer de le reprendre. Je l'appelle, il me répond pas. 90. T'es sûr, ok. Quartier Marabunta. C'est une blague là? Attends, ça a tiré dans la banque, ça s'est barré. Non, attends, ça a tiré. Attends, essaye d'aller. L'unité sur les 31, c'est clear. Quoi? On est en train de... Non, va dans le parking et va sur les étages. Toujours quartier Marabunta. Mais t'es sûr qu'il y a personne? Non, va dans... Attends, je regarde le point. C'est dans les étages. Sur les 10-31, on a un véhicule. Non, avance. De... C'est au-dessus. Bloquer la sortie. Non, mais... Le 4-4, bloquer la sortie. Le scout derrière moi, bloquez la sortie s'il vous plaît. Il dit faut que je leur dis, c'est dingue. Wesh, mais il fait combien d'étages ce parking? Non, mais il y a déjà la TF dessus. Mais ils sont sur l'autre radio, c'est pas possible. On a des infos? Je sais pas qui a dit qu'il y avait du monde, mais. C'est eux qu'on a vu en fait. C'est le véhicule qui s'est. Adam 14, 19, PDF, c'est... Attends, c'est. Je comprends pas. Non, les collègues c'est des attardés. Bon, on va se remettre sur la radio 1. C'est qu'on a vu. Adam 15 demande de 10-35 sur le 10-56. Attends, 10-35. 10-27. Station Source Mirror Park. Mirror Park, va Mirror. Ah, si, on arrive.
Quartier résidentiel Miroir Park, et en plus j'ai Miroir Park. Delta Charlie, donc okay. Continue, on arrive. Toujours quartier Miroir Park. Miroir, toujours. On va aller direction 16. Taxi. En plus il est en Lincoln là, 15 il a eu un problème. Ah, oh, taxi. Aller direction l'axe principal pour aller direction hôpital. Normalement il va arriver tout droit de toi. Dites-moi un supplé pour la poursuite pour la tête. On va éventuellement pré-shoot là, là, je suis là. Pour 30 hôpital, ça fait demi-tour, ça rentre sur l'autoroute. On est là. Parfait. Est-ce que je peux te fouiller et je te piquer de la bouffe ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Parfait, t'as pas de bouffe. Inch'Allah, forcément. Bon, ben, désolé. Non, t'inquiète, Inch'Allah, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'aurais dû en prendre. 10-20, attends. Pour la félone, on est déjà à 2. Affirmatif, mais on va anticiper la TF. Pizza derrière. On se dirige dans les canaux actuellement. On est dans les petites routes à côté de la pizzeria. On va retourner devant la pizzeria. Pourquoi il a pas suivi? Non mais ça c'est une feinte à la 2012, pourquoi il a pas suivi? Il la connaît. À la remontée. Je suis enlevé mais... On est toujours proche de la pizzeria, on reprend l'autoroute. Non, ouais. Négatif, on va direction parking central. C'est ce que j'allais dire mais... Et mes 14, ils débitent la radio. Merci de ne pas prendre la radio quand on fait les 10-20. Même toi, tu l'as lâché la radio. On passe Bingo, Mission Row. Derrière Mission Row. Direction Wardog. Suis-toi. On prend les rails. Non, t'as tout niqué. Tu la connais pas celle-là? Négatif. Non, je la connais pas. Tu connais pas ce chemin? Pas du tout. Comment tu veux que je connaisse ces chemins? Bah, c'est des chemins. Bah, on me l'a jamais fait ça. Bah, je te jure que moi, on me l'a fait tout le temps. Magasin de vêtements, direction quartier Family. Ouais, Bingo quoi. Essaye de tourner, tourne direct. Ouais, je sais, mais. Tourne. T'aurais dû tourner la première. En face du magasin d'attente. Je te vois vers des dingueries. Bah oui, mais bon. 10, 20, 16. Direction quartier Family. Quartier. On y est là. Tourner en arrière. Quartier Ballas. Quartier Ballas. Non, t'aurais dû aller tout droit. Ah ouais, en fait, il donne mal, c'est 10, 20. Carréna. Ouais, en fait, la direction, elle est pas bonne. Il donne pas la direction. Casse automobile. Casse auto. Ouais, vas-y, avance. Ça rentre dans la casse. Ouais, vas-y, mets-moi le. Rentrez pas dans la case. Attends, fais-moi confiance. Non, fais-moi confiance. Non, mais pourquoi il dit. Fais-moi bloquer confiance, voilà. Bloquez la case. Voilà. Bloquez la case. Fais-moi confiance. Voilà. Fais-moi confiance. Attention, casse peut-être Léo. Attention, casse peut-être. Fais-moi confiance. Fais confiance à Bibi, tu verras. Guettez au niveau des canaux, s'il vous plaît. Non, canaux. Pas dedans. Non, là, le petit côté en terre, là. Le petit truc en terre. Là, t'avances. Là, tu l'as. Je suis trop fort, la fille de ma mère, je suis trop fort. Ok, on les a au niveau de Héliport, actuellement. Si j'arrive. Ah, ça vise moi, je suis trop fort. Ça va retourner dans les canaux, ça descend dans les canaux. Ouais, je... Ah, allez-y. Ouais, mais bon, moi, la Mustang... Moi, t'aurais dû suivre. Pourquoi il suit pas? Il va en bas, fais-moi confiance, va en bas. Je et sais, tu sais, je vais faire toujours un tout droit. 4 urgent. 10-4. La vie de ma mère, je l'ai... qu'on est dans les canaux direction quartier. Oh, je l'ai anticipé, sa tente. Henri 44, on est au-dessus. Oh, je lui ai mis une anticipation. Ça va le off-road. C'est pas grave, on s'en fout. Il off-road, il t'off-road. Ok, très bien, il a une félone, j'ai une Mustang et j'off-road. Bah les couilles, là, c'est bon. Direction 4 cafés. Faut arrêter de nous prendre pour des... Je passe, là? Non. Allez, on va arriver à station essence 4 cafés. Ah, comment ça? Comment? Ah oui, bah oui. Comment ça? Là, tu... Allez, mais je connais pas. Mais je connais pas, frère. Attends, je la mets. Allez, on tourne direction. Mais vraiment, je connais pas du tout ici.
Mais rigole pas, sérieux, je te dis, je connais pas. Allez, il nous faut absolument des distractions. Si je te dis, je connais pas. On est derrière vous. J'ai fait le move de ma vie. On est calme, je les ai anticipé. J'ai fait ma taf. Ok, on tourne à gauche en direction de la maison Madrazo. Par contre, on est en code rouge. Alors le pétard, je le sors. Hein. Ok, on est juste derrière les canaux de Vespucci dans les ruelles. Putain. Avec son burger shot. Il m'a baisé. Ça tourne à gauche. Si, tu m'as niqué tout mon move de génie. Ok, gauche. Ça tourne. Comment ça, je t'ai niqué ton move de génie? Mais pas du tout. Je suis passé sur le petit chemin en terre comme tu m'as dit. Bah ouais, mais. Tu m'as niqué mon chemin. De quoi tu me parles? On avait la course poursuite. Parce que attends, je vais chercher la voiture à la fourrière. Bah j'avais compris qu'on allait à la fourrière là. Ça, retournez-vous, il arrive derrière vous, il arrive derrière vous. Bah attends, il y a des gens qui sont PO là en face ou je rêve? Bah c'est ce que j'étais en train de regarder. On a encore canot de Vespucci en direction Vespucci Beach. Mets-toi sur le trottoir. Il a tourné à droite direction Burger Shot, il tourne à gauche encore direction la plage. En fait la fourrière est avec deux sorties. 16-19 sur le... Il pouvait pas me sortir une autre sortie. Affirmatif, je voudrais absolument qu'on quadrille la zone de Vespucci Beach s'il vous plaît. 16, il m'aurait donné l'info si ça avait été. On est tatoueur Vespucci Beach. Arrête de gueuler 61. Ça tourne en rond au niveau du tatoueur Vespucci Beach. Ah, ils vont se faire. Ça repart à gauche direction coiffeur Vespucci Beach. C'est sûr, ils vont se prendre un plan. Ça va en direction de la plage. Ils vont se prendre un plan. Ça va continuer à droite. Attention au plan mule. Non, pas un plan mule, un plan pneu. Plan pneu, c'est pareil. Hein. C'est un plan quand même. On est toujours au niveau de la plage. Ouais, hein, j'ai. Il est parti une plage. Après, il faut que je fasse l'essence quand même. Hein. Elle a failli tuer le Apu. La porte! Elle a failli détruire le mec qui gère la fourrière. Je peux rien, c'est pas ma faute. Dans les ruelles près du Bahamas. Elle lui a dit fais attention à ta gueule, je vais t'arracher si tu me donnes pas ma Mustang. Il retourne vers la fête foraine au niveau de Del Perro. Plus jamais je suis avec en off-road moi, c'est naze. Non, je sais où c'est le Bahamas, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il faut que je fasse l'essence là. Ah ouais. On va un petit 10-17, hein, allez. Un quart d'heure, oui. Allez, tu constant, on a du monsieur. Il remonte en direct de l'autoroute ouest. Ce qui me fait rire, c'est que tu sais qu'on aurait pu se faire PO, ils ont toujours pas réagi. Ouais. On a toujours pas dit un qu'on le radio. Autoroute. Tu veux savoir un truc? Je suis toujours à deux doigts de canet de bouffe. On va passer au McDo. À côté de la plate haute. On va passer au McDo. Tu passes au drive en balle. On bat tout le tunnel. On est tout le tunnel. Oh là là, je suis content. Non, là c'est bon, j'ai fait mon move de la journée, je peux dormir. Derrière. Ok. Tu sais que j'hésite à me lever carrément de la voiture. Hein, comment ça? Bah quand j'ai vu la voiture, qu'elle est vraiment sortie où j'ai dit, j'hésite à me lever. J'étais trop content. Bah en fait c'était soit il sortait à l'entrée sur le côté sur la petite on va direction il sortait là. Un petit passage au McDo mais en balle t'inquiète je prends un menu Big Mac. Bon, enfin, je fais attention ouais, t'inquiète moi aussi il y a encore des restes pardon. Bien prêt pour information la direction cinéma. Pourquoi ah si pour ma part je suis derrière. Parce qu'ils arrivent pas à les enlever tout simplement. Enlève le GPS s'il te plaît. Je rentre dans cinéma. Ça va aller au fond du cinéma. Gatis, ça va aller dans les ruelles au milieu. Ah merde, c'est le... C'est Weasel News ici. Ouais, c'est... Alors oui, bonjour le Weasel, je veux un Big Mac. Allez, on vous laisse le lead, l'Edward. Merci. Burger Shot. Ouais. Ça va sûrement préparer un plan mule, si Laurie peut nous les dire. C'est bon, j'ai pris ce qu'il faut. C'est bon, c'est bon. Gatis pour l'instant. Bon j'ai pris deux. Ah putain. Attends, il faut que je te fouille, je suis encore bloqué. Encore? Ah j'ai des problèmes là. Anticipé à droite. Ah oui non mais je suis. 10-20 s'il vous plaît. Canot Vespucci. Encore? 50 pour l'Edward. Il est toujours derrière dans les canot Vespucci, il va revenir. J'ai pas le choix, excuse hein. J'ai vraiment des mal de tête là. Il repart. Direction où? Il repart vers où? Il repart où, monsieur? Direction où? Canot de Vespucci, avance! Direction Binko et le Vespucci. Non, va derrière!
Marina. Ah oui, mais je peux pas te mettre les poses vu que je suis en train de grailler, ça me casse les couilles. Attends. Il repart vers le coiffeur. On l'a. Ok, du coup, pour la poursuite, on est toujours au niveau de Facebook Chi, ça remonte au niveau de Bahamas. Quoi? Ok, ça tombe entre Facebook Chi et coiffeur. On a vraiment besoin de... Non, derrière. Non, c'est bon, il y a déjà une unité de ce côté. Tu vois, autoroute. Par contre, ces calls radio, ils sont débiles. Très bien, on est au niveau... Je vais désigner au niveau des tunnels. Prends l'entrée là. Non. T'aurais dû prendre le tunnel. Oh, j'ai pas le temps. Direction quel côté? Direction côté parking multicolore. Quoi? Tu vois, j'avais raison. Vas-y, donne-moi une sortie là. Bah là, je suis par là, va par là. Continue l'école. Attends, tu vas me suivre là. Mais on me dit Cano Vespucci, on me dit quoi? Oui, mais c'est parce qu'ils savent pas. Vous gardez le côté extérieur, côté Vespucci Beach, on rentre dans le tunnel s'il vous plaît, les unités. Fais-moi confiance, va. Là, tu prends la. Attends, pas ici. Allez, pour l'Aïdor, vous avez un véhicule. Tourne maintenant, en sens inverse. Bah, y'a pas de véhicule dans le tunnel. Ils se sont pris la feinte. Vas-y, va. Et là, tu rentres dedans. Allez, concentration, les melons retrouvent là. D'accord? Ok, ils sont partis où? Là, Henri, ils sont partis où du coup? Bah, apparemment, ils étaient là. Voilà, ils savent pas, ils savent pas. D'accord. Il est en dernière position, tunnel autoroute. Y'a personne, hein? Aucun individu dans le tunnel autoroute. Y'a rien. Très bien, alors tout le monde fait un code 5 au niveau de cette autoroute. C'est dingue, ils sont pas foutus de faire des cols correctement. Là, de TF, on fait un 10-17 au niveau de la station Vespucci. Essaye d'aller voir là. J'en suis sûr qu'ils se sont pris cette feinte là. C'est sûr. C'est sûr que 50 il a dit ils sont rentrés dedans. Il a pris le truc sur le côté. Bah non, ça fait 10 fois qu'on dit qu'il était perdu, mais bon. Moi je parle plus. Allez, on répond radio s'il vous plaît. Bon, très bien. Vous allez vous réveiller radio s'il vous plaît, messieurs dames. C'est clair ou pas? Attends, ça veut dire que 74. Attends. Ça veut dire que 74, 59 et 16. C'est des endormis. Ça marche? Ça veut dire que c'est des endormis tous. J'ai pas envie de l'engueuler au téléphone. Attends, je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour éviter que je l'engueule en radio. Est-ce qu'il y a encore des 10-56 en cours là? 10-5, on a perdu un véhicule au niveau de l'autoroute. Tunnel l'autoroute. Bon, de 66 aux unités, ça fait un petit moment que ça a été dit qu'il a été perdu au niveau du pont, merci, de l'autoroute. Non, pas celui-là, putain, on parle pas de celle-là. Il y a qu'un seul véhicule, hein, oui, mais c'est il parle de l'exemplaire du début qu'on a dit 15 fois. Mais ça fait longtemps qu'elle est perdue, Oui, mais il parle de celle-là. Ça fait depuis le début. Oui, je vais appeler 74. Avec tout le respect que j'ai pour vous, 74, moi, 66, on l'a dit 300 fois. Dès qu'on l'a perdu, l'exemplaire, il y a 25 minutes. Bah au tout début de la poursuite parce qu'ils nous ont bloqué en fait. Parce qu'il y a un tocard d'explorer qui a bloqué la route directement. C'est dingue ça. Oui, c'est ce que je te parle. 16, il a demandé pour l'exemplaire. On avait déjà fait le call il y a 40 minutes. Et vous avez répliqué sur le call de 16. Du coup, c'est pour ça que je vous préviens qu'en fait là c'est juste les agents qui n'ont pas suivi. Mais les calls n'ont été faits par l'explorer. Ça a déjà été fait. Ah non, mais ça c'est 50, il est gaze. Ils se sont pris la fin de 2012 et j'ai très bien compris laquelle ils se sont prises. Hein. Ouais, de dire la fin de 2012. Mais attends, viens, va dans le tunnel, je vais te montrer ce qu'ils ont fait. C'est sûr qu'ils ont fait ça. Où? Parce qu'ils sont rentrés de ce côté-là. Alors c'est sûr qu'ils ont fait ça. Bah retourne dans le tunnel. Ah. C'est sûr, ils se sont pris ça. C'est sûr, oui, ils se sont pris ça. Mais on s'en fout. Colmont, comme ils sont, ils t'ont pas regardé. C'est quoi ce... Non, c'est la TF. C'est les armes à la TF, ils sont en gris. Ça a géchant, la TF. Ah, c'est plus en noir, ok. Là, du coup, non. Toi, tu veux prendre la sortie, là? Bah écoute, tu me mets en point. Moi, je suis le GPS. Ouais, mais sauf hein. Que le GPS, il suit la route, quoi. Bah ouais, comme moi. Suis, et là, tu tournes, voilà. Comme le GPS est dit. Regarde, ils sont rentrés dans le tunnel par là. Tu vois, jusque là, tu me suis. Ils sont rentrés dans le tunnel ici. Edouard, écoute, je te le dis. Hein. C'est sûr qu'ils ont pris. Là, tu vois la barrière là? Attends, arrête-toi.
ils sont passés là. Barrière, la petite entre les côtés. C'est sûr qu'ils sont passés là, là en là en là, là. Ouais, ici. Je suis sûr qu'ils ont ils sont passés là. Et ils sont repartis, ils ont fait un truc non, comme ça. Non, ils auraient pas eu le temps. Je te jure que si. Parce que nous on arrivait de l'autre côté, ça veut dire qu'on les aurait vus avec 59. Nous comme la unité de 59 et ils sont partis à l'entrée d'où ils sont arrivés. Bah ils sont venus de base. Ça veut dire que c'est sûr qu'ils ont fait ça parce que sinon là Henri les aurait vus. C'est qui m'a appelé Malcolm? C'est qui Malcolm? Ah moi aussi il m'a appelé. C'est un bon Malcolm. Je sais pas qui c'est. Vas-y, il m'a appelé. Mais je sais même pas qui c'est. Attends, mec, qui te... Oui, allô, tu m'as appelé? Allô, tu m'as appelé? Oui, c'était pour okay, une information, c'était pour savoir c'est quand vous passez les PPA, les prochaines sessions. Alors on en a fait une semaine dernière je crois et on devrait en faire une dans pas longtemps mais voilà, t'as passé ton test EMS? Oui j'ai déjà demandé si j'avais réussi auprès de Milan, il m'a dit que c'était bon. Ok, faudrait que je vois si t'as un casier judiciaire par contre tu peux passer ton PPA. Je sais même pas si j'ai un casier ou pas. C'est quoi ton nom de famille? Malcolm Carter. 50, bonne soirée à tous. Biscuit, bonne soirée. Malcolm Carter? Ouais, c'est RTER. Bon. T'as un casier, toi. On en avait parlé. Non? C'est pas avec toi? Merde, je vais raccrocher au nez. C'est les comimiches. Ouais, par rapport au cercle. Ah. Ouais. Ah oh oui, mais ça date, ça. Oui, mais c'est quand même un casier judiciaire. Ouais, mais le problème, c'est que c'était pas moi qui avait fait, tu vois, les panneaux. Et ben ça, il faut que tu vois avec la juge, et voilà. Aïe. Tu veux pas me faire une offre? Non. Non, je rigole. Non, sinon ce serait trop facile. Ouais. Ouais, ok. Bon, on a ouvert avec la juge, parce que là... Je pense qu'il y a moi, mais il y a aussi d'autres personnes concernées. Ouais, je pense, ouais. Ouais. C'est... Pourquoi ceux qui se passaient avant reviennent à maintenant? Moi, les shérifs sont venus me voir, ils m'ont dit... Madame 30 tête, dis-vous la bébé, avec un dit 15. C'est vous, Malcolm, vous avez lancé des trucs du FBI publiquement. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Ouais. Et je savais pas qu'ils reparlaient de ce qui s'était passé au cercle. Eh oui. Là, mais... De ouf, Brice. Mais ça, c'était vraiment pas moi. Même nous, on a été choqués quand on a vu ça, quoi. Ouais. Normal. Yes. Bah vas-y, je vais pas perdre plus ton temps sur ça. Si t'as du travail, etc. Ouais, mais j'ai pas mal de choses à faire, ouais. Yes, pas de soucis. Bah vas-y, bon courage à toi, m'a dit. Ouais, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Et ciao. Bizarre, vol de véhicule sur l'autoroute. On s'y rend? Si tu veux. Ton cœur! Ah, il faut que je fasse une sieste. 150 ans, 160 en ville. Oh, bah je suis bloqué dans mes poches encore. Attention. Désolé, monsieur, je roule un petit peu vite, ça. Un petit peu, c'est un euphémisme, oui. Un petit 66. Peu. 66. C'est quoi, euphémisme? C'est peu dire. Yo, là. Ah. Comment ça, tu roules à 160 en ville? Je passe à 60. Yo, c'est un mais, bah, si, et encore 160, je t'ai pas rattrapé de suite, hein. Non, mais c'est un euphémisme. Non, c'est pas un euphémisme. Donc, du coup, je vais t'amender pour l'excès de vitesse. Désolé. Non, 66. Bah, si, bien sûr. Je vais t'amender. Et toi, tu dois pas passer. Estime-toi heureux que je te compte pas un refus d'obtempérer parce que tu t'es pas arrêté de suite. Tu dois pas passer au poste depuis quelques jours. Je me suis arrêté, je t'ai dit que je. Non. Si. C'est quoi ton nom? Moi? Ouais, c'est quoi ton nom? $50 du coup. Vas-y, je te fais un petit pourboire si tu veux. C'est Doboy. Non, je fais une facture, je prends pas en liquide. Vas-y. C'est interdit de prendre en liquide. Toi.
C'est bon. Attends, c'est quoi ton nom? Pourquoi tu Par contre, tu roules moins vite, sinon je te chope, hein. Enfin, je t'arrête, hein. Si, si, ça arrête de crier. Oui, bon, ça va. Ok, ok. Je t'arrête. Carte d'identité? Tiens. Je fasse un somme. Ah, c'est pour le truc de l'otage d'hier, ça, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, c'est pour ça qu'il doit venir au poste. Je fais un dodo, 30. Et ouais, ah, moi aussi, je dois en faire un. Il y avait carrément 6 keufs autour de moi, ils m'ont dit on te convoque demain, j'ai toujours pas de convocation. Bah non, c'est pas une convocation, c'est à toi de venir. Ils te l'ont dit. Ouais. Doboy, je sais pas comment ils appellent. Et si tu le dis, allez. Alors. Ok, bon, lui, il est mort, hein. Quoi? Bah, lui, ça y est, ça fait 3 jours, il se fait convoquer, il vient pas. Qui? Là, il joue encore aux grosses couilles. Je vais lui arracher sa grand-mère. Ah bah oui. Mais je vais bah, mandat d'arrêt, hein. Non, non, mais non, mais il joue aux grosses couilles, il est F4L et qu'il nique sa ah, mère. Ah, merde. Je suis pas GND, mais t'inquiète que le dossier F4L, je vais vite l'augmenter. Là. Bah, de toute façon, on peut aider la GND hein, si on a tes infos. Hein. Bah, t'inquiète que je vais me mettre sur leur QD. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu me diras pourquoi j'ai 10 balles dans ma M4 là. Bon, par contre, ici, j'aimerais bien rentrer dans le véhicule. Attends, 2 secondes. Ok, bon, bah, je charge mon arme en attendant, tu me diras quand t'auras fini. Alors... Adam 30, actuellement bon. En procédure off radio. Adam 16 sur fréquence. C'est radio 100 ou 200 35, 19 PD. Adam 66 sur fréquence. Ah non mais ils me font les caïds là. Oh là là, c'est une dinguerie. Il arrive à me dire tu me reconnais comment? Il a la même tenue, la même casquette, le même ego, le même prénom. C'est en plus? Oh là là, je l'ai pas lavé depuis 8 mois. Ouais. Tu sais, je fais le sieste. Quoi? Tu peux me déposer au poste? Ah oui, oui, Parce que vraiment, en gros, ça me fait aller dans mes. Ça me bloque. Ça me bloque dans mes poches tout le temps. J'arrive. Eh merde. Je vous remercie quand même de la réponse. Allez, bonne soirée à vous. Ok, très bien pour le dispatcher, je vais. Alors, il m'a dit très gentiment d'aller me faire foutre. Mais tranquille, allez. Ouvre la voiture. Personnellement, je vais être en interrogation. Ah putain, je suis plus radio. Quoi, dispatcher du coup? Réitéré? Quoi, dispatcher, je vais un titre rep, c'est très lourd. 09, autoradio. 09, fais un titre rep du très lourd, s'il te plaît. Jusqu'à ce va le faire. Affiche ça dessus, je mettrai sous. Ok, 09, je fais un titre rep du très lourd. La Tango 45-54-67, toujours en 10-98 en secteur sud. Oui, on est en train de faire un 10-19 PDS actuellement. Affiche. La Dame 37-13, toujours en 10-6 procédure en secteur sud. Bien, mais. La Dame 37-13. Je crois qu'ils sont off radio. Ok, très bien.
Edward 16 plus 15, toujours en 1098 secteur sud en Edward. Merci. Lincoln 44, toujours en 1098 secteur sud. Disquette. Henry 50, toujours en code 6 en secteur sud. Négatif. Et très bien, mettez votre éloigneur s'il vous plaît, Henry 50. La Task Force 74, 59, 61, toujours en code 6 en secteur sud. Toujours. La Dame 57 plus 14, toujours en 16 procédure secteur sud. La Dame 57, 14. Elle est en procédure là. Adam, on prend l'interrogatoire. Toujours en 16 divers secteurs sud. Qui l'a dit ? Quoi ? Réitérer ? Adam, 66 plus 30, toujours en 16 divers secteurs sud. Ah, fille, fille. Ben, qu'à des verdiers. Allez. Tu me disais quoi, 14 ? Non, je croyais que tu me parlais, c'est pour ça. Non. Non, mais. Allez. On y va. Par contre, si vous êtes off radio, oubliez pas de le préciser sur le Trello. Bah moi je l'ai annoncé à radio justement que j'étais off. Oui, mais le dispatcher n'est pas au courant, donc c'est pas radio qu'il faut l'annoncer, c'est le Trello qu'il faut le marquer histoire qu'il le sache. Parce qu'il fait, il vient de faire un site rep et vous avez pas répondu, donc préviens 09. Ok, okay, nickel. Voilà. Allô ? Ouais, ouais. Dis-moi, t'es occupé ? Là non, pourquoi ? Non, comme ça, pour savoir. Dis-moi. Non, mais c'était genre histoire de prendre des news et tout, tu vois. Mm-hmm. Bon, Bonne soirée, mettez votre soleil, s'il vous plaît. Bah ouais. D'accord. Non, mais c'est vrai que, bah voilà, genre hier, on avait commencé à discuter et tout, sauf que du coup, bah on a été interrompu et voilà. Ouais, on a été interrompu, c'est vrai. Avec Wiki pour 09. Bien, tu voulais qu'on se voit ou quoi ou... Bah, c'est quand tu veux, si t'es occupé. La dame 14, Là, non, je pense prendre un 10-10 de toute façon. Donc, Réitère radio, s'il vous plaît. Adame 14, plus 57, okay. Hein, nous sommes off radio pour procédure. Genre, nous aussi, ça s'est calme. Hein, donc, mm-hmm. Radio. Je pense que je vais faire une petite pause ou une fin de service. Hein. Mm-hmm. Ok. Bien entendu. Pourquoi pas en profiter pour. Salut, ça va ? Oui, c'est sûr. Mais écoute, je te dis à tout à l'heure. Ok. Vas-y, on se dit à tout à l'heure. Ok. Je fais une fin de service et puis voilà quoi. Ok. Allez. Ouais. Vas-y, à tout à l'heure. Ouais. Bis. Je vais prendre une fin de service, moi. Vas-y, attends, moi je vais juste passer un coup de fil là. Parce 66, 10, bonne soirée. Pour moi, je suis sûr que c'est la personne là. Bonne soirée. Écoute, hein. Si. Ouais. Quelle bonne soirée. Tac. Je vais sûrement avoir du nouveau pour mon enquête. Oui, écoute, j'ai besoin d'une info là. Maluch, il va peut-être. Il hésite entre soit DD, soit GND. Il tiendra au courant. Par contre, est-ce que ce serait possible de faire une réunion DD-GND à un moment donné ? Parce que là. Par rapport à quoi ? Par rapport à la globalité, parce que sérieux, j'ai aucune information sur les gangs. Mm-hmm. Je sais même pas, il y a quoi comme gang à Los Santos, s'il te plaît. Donc. Au moins tenir informé, c'est une petite réunion, tu vois, faire une mise au point. Parce que en fait, on n'est pas censé empiéter sur les enquêtes alors, comme nous, on n'est pas censé empiéter, tu vois. On leur donne des informations si on en a. Là, pour te dire, il y a les F4L, il y a le Candy Gang, il y a les Quantum Crips, il y a les Bloods aussi. Oui, mais tu vois. Vas-y. Un simple exemple. Je vais dans un de leur quartier, je sais pas où ils sont. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais. Okay, j'ai pas envie de me faire fusiller parce que j'ai pas l'info, tu vois. Je suis d'accord avec toi, 14, mais ça, c'est nous, c'est, on n'est même pas... En fait, c'est carrément eux qui sont censés nous donner l'information comme quoi il y a tel gang à tel endroit, en fait. Ouais, mais honnêtement, avoir séparé GND et DD, c'est de la fumisterie. Ah non, bien sûr que non, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes enquêtes, c'est pas le même type d'enquête, 14.
Ah mais je t'assure que nous, à la DU, c'était gang et on avait notre manière de procéder et c'était t'en fais pas, ça gérait. On avait certains qui étaient plus spécialisés dans les gangs, d'autres plus dans les organisations, mais c'était regroupé dans une seule et même section, tu Mais vois. alors, quoi, je donne mon lead à 06, c'est ça que tu veux dire? J'ai pas dit ça. Ben en fait c'est ça le problème, c'est que si tu remets les deux ensemble, il y aura plus qu'un seul lead, hein, je te rappelle. Hein. Après, donc ma division, je pourrais plus rien faire, je pourrais plus rien dire, j'aurais plus droit à quoi que ce soit. Hein. Bah vous êtes au bon grade, toi ici et non, il est en dessous, mais je sais très bien qu'il va vouloir récupérer le truc si on les met ensemble. Ouais. Bah bien sûr. Je suis pas folle quand même. Mais ouais, c'est ça le bah, problème. Ça... Oui, mais le truc c'est que après moi j'aurais plus droit de veto si je puis dire. Ouais, non, je comprends, je comprends. Je comprends. C'est juste que. Retour radio. Là le problème c'est que y a aucune communication en fait. Oui, bah si tu veux, on fera une réunion avec le lead et voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le lead nous dira ce qu'il sait, ce qu'il a comme info et puis voilà. Oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah je sais plus. Ah oui, on était censé faire une formation négo ce soir. Bah putain, foutu banque qui a niqué ma formation. Ouais. J'en ai marre. Bah ça, tu le feras plus tard. Pire. Ouais. Après, je pense que tu peux apprendre à négocier déjà. Bah, j'ai pas besoin d'apprendre, je sais. Négocier. Oui, voilà, c'est ça. Faut t'as capté quoi. Ouais, non, mais je pour ça. Ah oui, attends, tac, tac, tac. Je vais lire le message de 37. Alors. Il y a 37 a reçu un appel tout à l'heure aux alentours de 22h30. Un homme se serait réveillé ce matin et a trouvé une note dans son véhicule, dans le coffre de son véhicule, d'une certaine Marie Duchamp. Sur cette note était écrit que cette dernière n'était pas morte et qu'elle voulait le tuer, le mec en question. Apparemment, il y aurait pas mal d'indices. Putain, il sait pas écrire. Hein. Il y aurait pas mal d'indices sur le Twitter de Marie Duchamp. On n'a aucune Marie. Ouais. Je sens que c'est déjà une connerie. T'as ouais. essayé avec un Y ? Non. Marie non plus, avec Duchamp. Je vais regarder sur Twitter s'il y a pas une Marie Duchamp. Aucune Marie recensée sur le MDT. Il y a un Twitter Marie Duchamp. Voyons. Alors comme ça, je suis morte. Combien de personnes ont crié cette... Marie I... Marie comment? Marie IE. Marie IE. Ouais, le compte a été créé... Le compte a été créé hier. Ah non, le 6. Ah, le 6 16 juillet. Août. Et 6 juillet, le dommage au jeu de chaises. Je la connais, je vois qui c'est. Mais ah ouais. Ça fait longtemps qu'elle est partie, elle. Oh, on l'a plus vue, je veux dire. Ouais, mais elle est pas recensée, donc. Fausse identité, tu crois? Y a moyen. Est-ce que tu veux que j'ouvre un truc d'enquête sur ça? Par précaution, ouais. Ouais, pour éviter que la personne se fasse truc, ouais. Ouais, je vais ça ce soir. Tu sais quoi faire, de toute façon. Soir et je te suis en courant, ok. Je vais aller tranquillement, Bilou. Hein, Ouais. Bon, allez, je vais interroger un mec et j'arrive. Ouais. Des bisous, bonne soirée, si bisous, c'est bonne soirée. Tu cherches quoi? Attends, je suis... Non, je cherche personne, je suis avec 30 au téléphone. Ah. Ouais. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Moi, il y a un minimum, il y a clair, il y a un minimum. Vas-y, fais ça. Vas-y, je te laisse. Genre... Ouais, Non, c'est bien ça. Ouais, bonne journée, vas-y à toi. J'ai coupé court. T'as bien, 6-6. Ça va.
Oula, non, c'est un petit ça va, ça d'un coup. Si, si, ça va. Hein. Ok, parfait. Parfait, parfait. Tu fais quoi de beau là? J'ai pris un 10-10, je vais aller me balader, je pense. Tu vas te balader? Tu vas te balader où? Tu pars en ville. Ton ville, comme ça. Mmh. Ah, tu as vu, il y a un mec qui m'a pris en shooting photo. Ouais. Bah, comme moi, quoi. Hein. T'as vu. Tu l'as vu le mien? Oh ouais, ouais, t'as vu le résultat que ça donne? Ouais, c'est... C'est totalement moi, putain. C'est moi, je... totalement wow. Toi. C'est incroyable, moi, je... Ouf. Quand je me vois... Je kifferais trop, genre, qu'il nous fasse un duo de choc, tu vois, toi et ah moi. Ouais, j'avoue. Ah, Maddie Lawrence et Mason Montgomery, le duo de shérif, duo tu de choc. Tu crois qu'il y a moyen de prendre les deux photos? Il y a moyen. Faudrait que je te demande. Parce que c'est fou, ce truc-là, hein. C'est vraiment incroyable. Attends. J'ai l'impression d'être moi, quoi. Ah, j'ai reçu un message. Ouais. Bah après, moi personnellement, je ne sais absolument pas où sont les quartiers, à part les quartiers que je connais, hein, genre Familiz, Vagos. Quand tu regardes la photo que toi, je t'ai envoyé, ouais. Et... putain, c'est incroyable. Bah... Il manque juste les lunettes, et là, c'est vraiment lui. Ouais, t'as juste un peu moins de... calvitie, mais. Ouais, mais ça, je... voilà, ouais, c'est parce que c'est la coupe qui fait que. Mais ça la... passe en vrai. Mais c'est que je. C'est... Ah, merde, ça va nous coûter bonbon, apparemment. Non mais c'est incroyable, franchement, c'est waouh. C'est vraiment moi, mais beaucoup plus... Ouais. Charismatique. 4K, ouais. Oh, t'es beau, là, t'es beau. Oh, c'est incroyable. En plus, avec la veste de shérif, là. Tu oh là là. Tu me mets les lunettes là, que j'ai là. C'est lui, ouais. Hein. C'est vraiment ouais. Moi, quoi. C'est incroyable. Franchement... Ça me trouve le cul, quoi. Attends. Pourquoi j'arrive pas à lui mettre la photo? Attends. Attends. En plus, il m'en a fait blinder, elles sont toutes incroyables. Oh, elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. Elle est incroyable. T'as quoi d'autre? Envoie-moi les autres. Attends, vas-y, je te mets en moi. Oh, ce qu'il a envoyé. Entre autres. Oh là là. Entre autres. Ah, la première est pas dégue aussi. Hein. Ouais, mais... ouais. Mais tu fais plus jeune. Fais beaucoup plus jeune. Que l'autre, c'est vraiment lié. Enfin, ouais. Moi, excuse-moi, putain, ouais. Je pars en couille. Ouais. Excusez-moi, tout le monde. Ouais, je sais bien qu'il Ça va. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ils vont faire ta gueule, c'est ça que ça veut dire. Ah, putain, non. Putain, ça va, ça va. Non, un petit air de Bruce Willis. Ah, je sais pas, je me trouve tellement charismatique. Et moi alors? Ouais, toi, c'est incroyable. Franchement, c'est... un gris, hein. Ouais, ouais, moi je te le dis, hein. Je te crois. Il a fait rire. Quoi? Du coup. Ah, je te fais un plaquage, hein, c'est sûr et certain. Oh. Ouais, ouais, clairement. Ok. Attends, tu vois le mec, t'arrives à l'accueil, tu vois le shérif comme ça à l'accueil. Ouais, j'avoue que... j'avoue que il dort pas dans la baignoire. Putain. Oh putain de merde. Oh, j'en peux plus. Je rêverais de ressembler à ça dans le... Ouais, moi aussi. Dans le prochain. Hein? Ouais, moi aussi. Ce serait fou. Dans quelques années, je rêverai de ouais, ressembler à ça. Ouais, moi aussi, pareil, dans quelques années, on se dit quoi hein. Que... Ça va les payer chirurgien. C'est incroyable. Hein. Oh merde, attends, j'ai un appel. Allô? Ouais, ça va, Mathieu? Oui, très bien, j'étais en train de discuter avec quelqu'un.
Désolé. Non. Bah, si tu veux, je te rappelle après. Ah non, non, c'est juste que j'étais pas très sérieuse dans la discussion, du coup, voilà. Ah, ok. Y a pas de soucis, Donc, bon, j'ai essayé de reprendre mon sérieux avant de te répondre. Très sympa. Mais comment ça? Mais attends, non, mais c'est pas contre toi. Non, mais c'est très sérieux nos conversations, je dis pas le contraire. Mais vas-y, il faut quand même. Voilà, là, on rigolait un peu beaucoup. On parle de chirurgie esthétique, c'est bon quoi. C'est vrai, je vois une vraie grandesse. Bref. Ouais, non, t'inquiète. Bah, j'ai des collègues là qui sont devant l'hôpital. Ouais, bah écoute, je vais aller me changer, j'arrive. Vas-y. Ok, à toutes. Vas-y, à toutes. Ah, oh, putain. Eh ben. T'es connu, bordel. Ah, bah, je me fais draguer, je crois. Non, comme d'habitude. Non, mais en plus, il est mignon, tu vois, mais bon. Mais bon, d'accord. C'est un EMS. Non, me dis pas que c'est ton psy, bordel. Non, pas Bruce. Même si non, lui, il m'a dragué aussi, mais... Non, c'est ton psy t'a dragué ? Oui, ouais, enfin, il m'a envoyé des... Tu vois, genre des appels de phare. Non. T'es pas Marilyn Monroe, bordel. C'est quoi que... Ouais, peut-être que... Ouais. Je pense que... En fait, t'as peut-être raison, hein, parfois. De quoi? Bah, je suis peut-être Marilyn Monroe. Hein. Faut que je trouve une bouche d'égout. Tu veux que j'aille mettre une petite robe? Poupoupilou. Non, parce qu'apparemment, je ferai des jaloux en ville. Tu veux mettre une robe? Non, je vais pas mettre une robe, bordel de merde. Ah, tu veux que je sois en robe? Pourquoi tu ferais des jaloux? Non, apparemment il y a des jaloux en ville. Ah bon? Bah je sais pas, apparemment il y a beaucoup de personnes qui te draguent. Oui, moi... Mais est-ce qu'ils te connaissent? Je suis la seule décisionnaire de mon avenir, hein. Oui, tout à fait. Réponds à ma question. De quoi? Est-ce qu'il y en a qui te connaissent autant que je te connais? Non. Très bien. J'ai au moins ça d'avance. C'est... Ouais, non. C'est peut-être pas quand même, hein. Tout mon passé, vraiment, toi, tu l'as vécu avec moi, donc j'ai envie de te dire... Oui. Le raconter, moi, c'est une chose, le vivre, c'est autre chose. Tu sais ce que je vois quand ils tournent autour de toi? Non. Je vois des racoleurs, des chiens galeux. Je vois toute la merde. Toute la merde autour de toi, là. Il faut que ça dégage, tout ça. D'accord. Personne te touche, tu comprends? Ah bon? Ah oui, quand même. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Et s'ils sont pas contents, ils vont se faire vraiment, mais vraiment, bien enculer. Tu leur ferais quoi si jamais ils s'approchaient de moi? Si tu feras du mal, je devrais... Tu sortirais ton arme et... J'ai pas besoin de mon arme. Un regard. Exactement. T'as vu ma photo? Ah non. Ça veut tout dire. Le bon, la brute et le truand, quoi. Exact. Tu sais, je monte mon badge, tu vois, avec ma photo là qui est dessus. Là. Manque plus que la démarche et c'est parfait. Et je fais Montgomery Mason, petit trou du cul. Vas-y, 5 secondes, continue. Pour enlever tes pattes de Maddie Lawrence. Ou sinon tu te prends un méga frontkick du turfu. Vas-y, continue. Puis une fois qu'il fait... Faire qu'est-ce qu'il y a, gros trou du cul. Il va me dire, tu sais, un peu wesh canapèche, là, tu vois, comme ils font d'habitude. J'ai première sommation, sac à merde. Deuxième sommation, je te tire dans les valseuses. Et je te trouve bien que tu vas faire du tcha-tcha-tcha. Ok. Je peux débiter à la foison, je te le dis. Tu comprends, hein? C'est avec ça, il est pas content. Hein? J'arrive coup de coude, descente du coude, je le prends, je l'étrangle, je lui mets un coup de pied dans les couilles, je lui crève les yeux, et puis je lui fais un penalty, tu sais, genre soccer américain. Et là, je lui dis, alors, petite merde,
toujours pas content. Tu veux toujours toucher à Maddie Lawrence. Là, il fera non, shérif. Je sais bien ce qu'il y a. Retourne dans ton quartier, va. Petit junkie de mes deux. T'as compris un peu le topo? J'ai compris le topo. C'est vraiment le bon, la brute et le truand, quoi. Avec exactement. Exactement. Et s'il me casse les couilles, je lui fais toute une histoire pour qu'il soit remballé et mis en tôle. Tu comprends? Je dirais qu'il t'a agressé. J'ai dû intervenir, légitime défense. J'ai sorti mon taser. Alors c'est con, je l'ai pointé dans les bourses. Avec mes lunettes, je vois pas très bien la nuit, tu vois. Puis là, comme là, j'ai glissé sur une pierre, sur la bordure, et mon putain, ma Santiac a traversé sa tronche. Putain, on dirait mon père. Merde, c'est pas les fesses qu'on fait. C'est pas ce que je voulais. Il vous emmerde tout le monde. Bah tu vois, tu t'imagines un peu le truc, quoi, tu vois. Oui, papa. Donc voilà, ouais. Ouais. Merde. Bon, putain, fais chier, je me suis trompé, j'étais trop loin, non? Ouais, check ça, ma soeur. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Quoi? Bon, allez, vas-y, bébé, je vais t'emmener quelque part. Oh merde! Attends! Ah voilà. Mais non, moi ça me fait un truc. C'était le WC là derrière! T'as été vilaine. Oh! Si t'as été vilaine, je vais te punir. Pas de TV ce soir. Oh! Pas de TV et pas de mec en rendez-vous, je sais pas quoi. Quoi? Non, t'es puni. Tu vas faire les WC et tu vas nettoyer à terre. Tu vas faire tout le poste, tiens. Ça va être clean comme ça. Putain de bordel de merde, j'en peux plus de toi. C'est qui encore? Edouard? Kevin? Non, comment il s'appelle? Jackson, j'étais presque. Encore un nom de Baraki. Encore un nom de merde. Jackson, comment? Holloway. Holloway, ouais, Holloway. Putain, ça fait vraiment ça. Il s'est appelé Jefferson. Jefferson, ouais. Donc le mec s'appelle Jackson, il n'assume pas, il s'appelle Jefferson. Le gars, il a des petites couilles, donc ça commence bien. Et Holloway, là, il a cherché ça où? Hein? Il a quel âge? Je sais pas, il a peut-être cherché ça dans Bleach. Tu sais pas, en plus, tu sais pas. Non, donc t'as un mec, tu sais pas qui mais c'est. Mais je sors pas. C'est ça, tu sors pas avec mon cul, c'est du poulet. Non. Hein? Bah non. Vous êtes sex friend, c'est ça? Ah oh non, moi je suis pas ça, de ce ouais. Genre là, tu le sais très bien. Je sais pas, tu sais pas qui c'est, donc t'es prêt à voir quelqu'un, tu sais pas qui c'est toi. Mais je sors pas pour coucher. J'écoute, tu auras tes fesses. Non, hein, je te promets que je n'ai pas de coup d'un soir. Et un coup de deux soirs? Bah non. Si j'ai pas de coup de soir, j'ai pas de coup de soir. D'accord. Putain, incroyable. Oh là 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 là. Ah, m'a fait rire, bordel. Ouais, moi aussi. C'est qui venu te l'acheter? Parce que... Bah oui, il y a un gradé là, ferme ta gueule. Non mais pour savoir, non mais écoute, c'est pour savoir, est-ce que c'est bien la personne qu'on parle ou est-ce qu'il y a un quiproquo? Ouais, c'est bien, on est d'accord, c'est bien Ali. Express? Oui. T'apprendras à dire des conneries. Non mais t'inquiète, tu sais. Bon, je vais te laisser, la bise. Aïe. Quoi? Vas-y, à toi. Je suis trop fort, la fille de ma mère, je suis trop fort. Attends, vous savez ce qu'on vient de me dire? Non. Aïe. Ça t'apprendra à dire Ali, ça passe tout le temps. Non, écoutez-moi. Là, déjà, je vais couper la radio, il débite. Ouais. Écoutez, on vient de me confirmer que vous voyez pendant la banque. Ouais. Il y a le preneur de banque là. Oui. Il a dit oui, je vais chercher une carte, je vais l'acheter. Ouais, ouais. Du coup, moi, j'ai l'information qu'en ville, les vendeurs officiels de cartes, vous savez c'est qui? Vas-y. Les Madrazo.
Bah oui. Du coup, moi, devant la banque, j'ai appelé les Matrasos. Je lui ai dit, t'as pas vendu une carte à quelqu'un il y a moins de 10 minutes? Il m'a dit non. Là, je viens de le rappeler parce que j'ai dit, ouais, mais je suis sûr et tu es en train de me prendre pour un con. Il m'a dit, bon, allez, c'est vrai, j'en ai vendu une à Ali. Bah voilà. Ah, bah voilà. Donc ça, tu notes directement. Bah, de toute façon, les voitures, c'était quoi? Mawinga, c'est ça? Mawinga, oui, les deux. Non, bah voilà. Oui, mais c'est pour éviter les conclusions hâtives, là, comme ça, il y a la certitude. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai baisé. Les F4L, apparemment, ils sont sur aucun business. Normal, vu leur gueule. Non, ils sont sur aucun business et apparemment, ils veulent juste être potes avec tout le monde et ils veulent bien s'entendre avec tout le monde. Non, apparemment, mais... c'est les petites putes de tout le monde. Putain voilà, les F4L. Ah, ceux qu'on a croisés tout à l'heure là. Ceux que, écoute, si, je ne parle plus avec eux. C'est les seuls mecs de la ville qu'on voit, ils insultent, ils parlent mal, ils te prennent de haut, tu les braques avec une arme, ils courent comme des fous. Tu leur fais les pneus, ils roulent 6 km avant de s'arrêter. Ils te font des plans dégueulasses. C'est fini pour moi, c'est fini avec eux. D'accord. Je vais aider la GND, je vais les arrêter. Ok. T'emballe pas. Oui. Ça c'est bien, dans un buisson. Comment vous le savez? Mais comment vous le savez? Je sais tout. Ouais, et tu te rends même plus compte. Ouais, c'est ça. 66, attends. Ouais. Bon, allez, moi je me casse. Ouais. 66. J'y arrive. Sache un jour. Oui. Je t'aurai. Quoi? Comment ça? Bon, allez, j'y vais, j'ai un date. Ouais, c'est ça, un date de merde.
Ah, c'était rigolo, hein. Il m'a fumé de rire, hein. Je suis à contresens. Oui, bon, bah, c'est pas grave. Mais ta mère! On va mettre 80. Ouais, c'est mieux. T'inquiète, Brice, j'ai mis de la musique. Attends, j'ai mis ça en musique derrière. J'ai mis ça. Quand tu l'as expliqué. Et après, j'ai mis ça. Après, bon, j'ai mis plein de trucs, hein, mais c'était archi drôle. Voilà, c'est rigolo. Je vais pas rester longtemps là. T'es ouais. Où niveau de l'hôpital, je viens de voir un véhicule passer plein de balles là. J'arrive. Vas-y. A tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Descends. Non, c'est le mot trop. Dégage, descends. Descends. Oh. Allez, descends. Allez, cours. Gros con, moi. Ça se la pète, hein.
Sa vie, sa vie. Et le gros con citoyen, le gros con citoyen n'était pas nécessaire par contre, hein. C'est 54 au cas où, 66. Je sais très bien que c'est toi, 61. Oh papa, c'est interdit ça. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. La méchante qu'elle a pas compris. Bon, je vous laisse ma moto. Ouais ouais, c'est ça, ouais. Bon date, hein. Mais quel... Oh là là. À toi. Ça va, ça va. Ok, ok. Comment ça, bon date? Alors là, j'en sais rien, ils sont en mode focus, focus, là. Parce que hier, Bruce nous a vu parler ensemble, donc en mode c'est date. Wow, donc tu discutes avec une personne, pour eux c'est un date. Ah oui, mais tiens, c'est cette ville, hein. Ouais, j'ai l'impression que ça veut dire que je sors avec n'importe qui, quoi. Bah, surtout elle dit ça alors qu'on lui a fait la même. C'est pendant qu'elle était avec 30 et tout, là. Mm-hmm. Dès qu'elle parle avec quelqu'un, ça lui sortait, ouais, et tout, en mode, ouais, elle est avec un tel, et tout. Ouais, bah ouais. Après, on va pas se mentir, elle a vraiment dragué, quoi. Oui, non, je dis pas le contraire. Mais bon, quand tu as quelqu'un en tête, tu vas voir que cette personne. Ce qui est tout à fait normal. Mm. Ah, attends, excuse-moi, j'ai un appel. Oui, allô? T'inquiète. Ouais, t'es avec qui? Pourquoi? Comment? Comment ça? T'es avec qui? Pourquoi? Comment? Je suis avec un EMS. D'accord. Et parce que j'ai besoin de discuter avec un médecin. Ouais, c'est ça. Tu vas me la faire à moi, c'est vrai. Et je vais vers la plage, voilà, si tu veux savoir. Ok, sois prudente. Mais je suis toujours prudente, tu le sais très bien. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis le temps, tu devrais savoir que je suis prudente. Ouais. Je suis prudente, j'ai toujours été prudente, non? Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Comment ça? Mais attends, t'es en train de me faire une crise de jalousie là? Maman, attends. Bon, ils sont tous fait passer le mot dans cette ville? Mais c'est surtout la personne qui vient de m'appeler que je suis étonnée, mais je trouve ça très drôle aussi à la fois. Quand je lui ai demandé s'il me faisait une crise de jalousie, il a dit maman et il a raccroché. Ah. Ouais, donc. Ouais. Okay. Je pense que j'ai vu juste. Allez. Est-ce que je suis fort? Soit Kim, soit le mec au véhicule bleu. Même pas. Oh mince. Mais c'est possible que s'ils apprennent que je suis avec toi, oui, effectivement, ça tape une crise de jalousie. Enfin, surtout le mec au véhicule bleu, mais. Monsieur Kim, non, je pense pas qu'il soit intéressé par moi. Du moins, okay. Pas de cette façon-là. Parlant. Tu disais. Disons que tu l'intéresses professionnellement parlant, quoi. Je sais pas trop. Bah, je suis flic, donc bon. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah. Bah, je t'en. Quoi? Ah non, je. Tu? Ah non, je constatais que tu étais assez lasse. Ah, tu as soupiré, mais tu te forces. Ah. La soirée a été courte, mais forte en émotion, si en je puis dire. On a eu un petit braquage, comme tu as pu voir, et mais je dois rappeler quand même qu'on est en code rouge. Tu vois, il se réveille. Ouais, c'est dingue, hein. Il suffit d'en parler pour que ça se bouge un peu dans cette ville. C'est dingue. C'est vraiment fascinant. C'est dingue. C'est comme quand on dit putain il pleut pas assez souvent en ce moment. Et puis là dans un coup tu te tapes une flotte dans la gueule. Ou quand tu dis trop longtemps il fait trop chaud, j'en peux plus. Et puis après deux soirs plus tard un orage. Non mais c'est dingue. Je suis bien d'accord. Bah ouais. Du coup je t'ai pas demandé mais
ils t'ont dit quoi exactement, Lindsay et Bruce, à mon propos? Bah, en vrai, pas grand chose. Disons, j'ai à peu près les gros signes du fait que tu te sois mangé l'éclair, de ce que j'ai pu comprendre aussi, t'avais un passé assez compliqué et tout. Et voilà. Hein. Après, tu vois, Ouais. Je laisserai le. Si tu veux m'en parler, tu peux m'en parler, sinon, il n'y a rien qui t'y oblige. Je te forcerai jamais à me parler de quoi que ce soit. Disons que. Mon passé, en fait, est assez récent, si je puis dire. Ok. Depuis mes débuts en flic, en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, mes nuits sont assez agitées et mes rêves sont plutôt tourmentés. Ok. Donc, voilà, c'est dire que... Tout ce qui se passe dans cette ville, je comprends, je le comprends depuis quelques temps maintenant et bien avant en fait d'arriver ici, j'ai vécu des choses similaires à ce qui peut s'apparenter au flash et ce genre de choses. Donc, Ok. Enfin, similaire. Disons que j'ai eu affaire à, entre parenthèses, si je puis dire, de la magie et. Et des esprits. Ok. Mais c'est particulier en soi. Ouais. Depuis que, j'ai envie de te dire, depuis que je côtoie cette ville, ça me choque plus autant. Bah, moi, ça m'avait choqué, en fait. Et quand je suis arrivée ici, je pense que j'ai été relativement plus enclin à comprendre les choses et à accepter la vérité que certaines autres personnes. C'est pour ça que parfois, je me sens un petit peu on va dire seul dans le sens où j'ai vécu ce genre de choses et je sais ce que c'est et du coup c'est compliqué de faire autrement et être confronté et être dans un service où la majorité des personnes ne comprennent pas ça jusqu'au jour où ils le vivent, c'est très compliqué. Alors, je me suis raccrochée un petit peu aux personnes qui croyaient en moi par le passé. Et le problème, c'est que ça refait surface et beaucoup de personnes sont mortes, on va dire, durant mon service à LA. Notamment ma meilleure amie. Après, excuse-moi, je suis peut-être un peu intrusif. Mais j'ai demandé c'est qui ? Disons que, comment dire, sans être trop intrusif et sans être trop brut, tu dis que, si tu me dis, hein, si je me trompe sur les termes, mais ok, tu m'as dit ta meilleure amie, oui. Mais il y a quelqu'un d'autre, ou du moins plusieurs personnes d'autres qui te font penser à ton passé et qui sont en ville actuellement. Ouais, mais le fait qu'il soit là, en fait, m'aide plus qu'autre chose. Ok. C'est ce que j'aimerais savoir, si du coup, si c'est plus... Je pense que s'ils étaient pas là, ça me tourmenterait encore plus. Ok. Mais il est vrai que parfois, des situations sont similaires à ce que j'ai vécu auparavant et... Et du coup, je me retrouve très, très pensif, très... Je pense au passé et je me dis que j'aurais pu faire plus de choses pour sauver ces personnes, mais... On n'arrête pas de me dire que j'ai fait mon maximum, mais le problème, c'est que j'arrive pas à l'accepter. C'est tout à fait normal, tous dire oui, on a fait notre maximum, mais au fond, nous, on sait qu'on aurait pu faire mieux. Et je pense que c'est ce qui te fait avoir des remords. Tu me dis si je me trompe, hein, mais tu ressens ça plus comme des remords que autre chose. Ouais, on va dire ça, ouais. Ok. Et en ce qui est des pertes de proches. Je suis pas le mieux placé pour ça, je suis vraiment pas quelqu'un de très doué niveau émotion,
je pourrais pas mettre à ta place, donc je suis vraiment très émotif. Sauf quand ça touche vraiment des personnes à qui je tiens vraiment, mais sinon... C'est... J'aimerais pouvoir rendre ta peine, le fait d'avoir perdu quelqu'un qui t'aimait plus que cher, parce que... La perte d'une meilleure amie, c'est quelque chose de très particulier, de très dur. En réalité, j'en ai perdu deux. Désolé. C'est pas grave. La deuxième, c'était en arrivant ici, et j'ai appris qu'elle s'était suicidée, si je puis dire, mais visiblement, il arrive à autre chose et elle a été tuée, de ce qu'on m'a dit. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas cool. Après, je sais pas si c'est la vérité, mais je ne saurais jamais, vu que cette personne qui l'aurait probablement tuée est à l'heure actuelle décédée aussi également. Ah, t'es assassinée, si je puis dire. Donc, ça sera toujours une question sans réponse. C'est ça. Mais je la vois pas se suicider en fait, c'est ça le truc. Ou alors peut-être être désespérée au point d'y penser, mais pas de la se jeter d'une falaise. Se jeter d'une falaise. C'était quoi le nom de cette personne sans Rita. Oh, ok. C'est pour ça que je suis venue ici. C'était pour la retrouver de base. J'avais plus de nouvelles et... Oups. C'est peut-être dur à dire, mais moi j'ai pour principe. Du moins j'essaie de m'y tenir, parce que c'est quand même assez compliqué. D'arrêter de courir après, excuse-moi du terme, mais les fantômes du passé. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Même de se dire, c'est bon que j'arrête de chercher le pourquoi du comment, de qui aurait pu, mais... On dit que le temps efface les blessures, mais je le sais très bien que c'est pas vrai. J'ai... J'ai oublié d'enlever mon... Je dis, on a tous perdu des proches, des gens qui nous étaient chers. La famille, des amis. Dans mon cas, j'ai quasiment tout perdu. J'ai envie de dire, heureusement que j'ai... Ou du moins que quelqu'un de ma famille m'a retrouvé. Pas forcément au meilleur moment de ma vie. Et... Même si par moments j'ai envie de les triper, l'écorcher et tout. Mais je comprends que ça fasse du bien, c'est d'avoir, on va dire, quelqu'un du passé qui est là pour t'épauler, pour t'aider à garder la tête haute. Et surtout te rappeler que tu as vécu et que tu vivras encore. Je pense que vivre pour eux, c'est peut-être le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire. Meilleure chose. Profiter à fond de la vie, même si elle est pas forcément toute rose, toute blanche. On a fait un deal, lui et moi. On s'est dit que on mourrait avec le sourire. C'est ce qu'il faut. J'ai même montré que on est triste ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je te dis, je suis pas forcément quelqu'un de très émotif. J'ai remarqué qu'il y a avoir trop d'émotions. Ça, disons que ça détruit les petits feux. On essaye de s'attacher à des gens qui, avec le temps, on voit ou ils en valent pas le coup. Qui, eux, nous détruisent en secret, qui font qu'on n'a pas des vies faciles tous les jours. Mmh.
facile la perte de proches. Je suis vraiment désolé de rouvrir ce dossier. Non, c'est une bonne chose d'en parler aussi. Ça, ouais. Ça. Ça soulage, ça. Ça fait du bien un peu. Dire que on nous comprend, on n'est pas les seuls à ressentir ce genre de choses. C'est peut-être plus que ce qu'on pense. Et dans cette ville, s'il est. Pourquoi? Quoi? Il y a toujours des gens là où je vais. C'est dingue ça. Il y a une voiture qui vient de se garer là. Sure. J'ai entendu une voiture se garer. Ok. Oh, attends, deux secondes, j'ai un appel. Oui, allô? Allô, 66. Oui, dis-moi. Bien, et toi? Oui, ça peut aller. Dites-moi, est-ce que vous avez autorisé Bill Paluche, enfin 13, à assister à un interrogatoire? Ouais, je la vois, ta voiture. Ok, donc je vais donc, pas interrompre l'interrogatoire, mais je dirai. Non, qu'il se mette derrière la vitre s'il a envie d'y assister, mais pas dans la salle d'interrogatoire. Il n'y a pas de problème pour qu'il écoute ou quoi, mais voilà, parce que je le connais, hein, je sais de quoi il est capable. Ouais, non, mais je préfère quand même vous demander directement. Pas de soucis. Parfait, bon, je vous laisse. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Merci pour l'info. C'est dingue, ça. Et quelqu'un de très surveillé, Mathis. Mais c'est pas... On me surveille, là? Je pense. Attends, viens, monte. Après, vas-y. C'est dingue, ça. Attends, je vais voir qui c'est. Vas-y. Templar. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui? C'est personne, j'attends mon collègue, il fait une sieste. Ah, d'accord. Ah, ok. Oh, du monde là. Non, pas là. Excuse-moi, mais... J'aime pas trop être dérangé, du coup... Toujours avec moi? Ouais, je suis toujours là. Désolé. Je m'assurais juste que je n'étais pas en service. Toi, je te vois en service. Non, je suis plus. Ouais, non, c'est... Ouais, c'est le problème habitué des tablettes. Hein. Ouais, ça met un petit peu de temps. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Ah ouais. Mais... Non, je sais même plus ce que je disais. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir parler... Un peu. Ouais. Je t'en remercie vraiment. Je sais pas, je... C'est vrai qu'au départ, je t'aimais pas trop. Hein. Comment ça, tu m'aimais pas trop? Ah, le coup de l'ascenseur avec Ned. Ah, mais Maddy, on se connaît depuis longtemps. Ouais, mais ça, c'est resté en mémoire, tu sais. Ouais, je comprends. Attends, je réponds juste. Vas-y. Ah, allô? Ah ouais, ouais. Ouais, vite fait, mais vas-y, dis-moi.
Ça c'est parce que Days il a quitté les EMS, je pense. Non, mais surtout qu'il est encore en ville, elle peut le voir tous les jours, mais bon. Le fait qu'il soit plus à l'hôpital, plus... Après, moi j'ai envie de te dire, hein, moi je voulais gérer les gars, hein, c'est... Ça c'est entre vous, hein. Je peux pas vous aider à ce niveau-là. Je veux bien donner mon accord sur 2-3 trucs, mais après, à partir de là, c'est à vous de bien gérer votre coup. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Non mais je te dis, genre donner mon accord, genre... Et reste tranquille. Like. Non mais en mode, sur certaines de ses fréquentations, genre... Après en vrai, vous deux, j'ai pas trop de soucis. Je m'entends bien avec vous deux, tu vois, il y a pas de galère. Il y en a aucun qui essaie de me mettre à l'envers ou quoi que ce soit, donc tu vois, jusque là, il y a pas de... Il y a pas de raison qu'il y ait de soucis ou que je sois contre le fait, tu vois, que... Soyez, vous fassiez partie de ses fréquentations. Que, techniquement les gars oubliez pas hein, c'est toujours moi qui donc je suis un peu son tuteur encore actuellement donc voilà c'est pour ça et vas-y comment ça oh là là et vas-y vous forcez hein. vas-y bisous. T'as dit quoi à la fin? Bon rencard avec 6-6. Ah, c'est incroyable. C'est. Donc on a plus le droit de discuter avec quelqu'un. Non, il y a vraiment plus le droit, hein, tu sais, c'est. Ça va devenir prohibé. Maintenant, il va falloir l'aval de toute la ville pour que certaines personnes puissent discuter ensemble. C'est dingue ça. Mais tu sais, je discute souvent en solo avec mes agents, du coup, ça veut dire quoi? Je sors avec tous les agents du poste? Ça se passe comment? Dit, c'est pas bien ça, m'a dit. Il faut pas sortir avec les agents du poste à faire. Bah écoute, voilà. Hein. Moi j'ai besoin de compagnie, tu vois. Je comprends. Ah, sincèrement, c'est dingue. C'est aberrant. Faut dire ce qu'il en est. C'est ça. Aberrant, c'est comment ça arrive. On a un niveau de connerie, excuse-moi du terme, mais quand même assez élevé. Et encore, je suis gentil sur le terme connerie, quoi. C'est clair. Pour nous dire, il va falloir que le gouvernement s'en mêle aussi pour dire telle erration est actée, telle n'est pas possible. Ces deux personnes ne peuvent pas parler ensemble. Ah là là. Sont gentils mais trop intrusifs à mon goût. C'est sûr. Mais du coup tu m'aimais pas juste pour le coup de Nel et l'ascenseur. Bah dis, on se connaissait depuis longtemps toi et moi, tu sais que j'ai pas tout le temps été tout blanc quoi. Oui je sais bien. C'est ça le problème. Mais je me suis rangé. Je me suis vraiment rangé. Et le jour où c'est arrivé, disons que c'était une question de survie pour tout le monde. Ouais. Enfin, pour moi, ça n'en était pas une. Hein. Mais je te confirme que c'en est vraiment une. Pour la simple et bonne raison que si on le faisait pas sortir, il faisait péter tout le club avec toutes les personnes qui étaient dedans. Alors, il avait pas de pouvoir à ce moment-là, donc... Ouais, mais il y avait quelqu'un à l'extérieur qui attendait son accord. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je préférais penser à la vie de mes collègues et des citoyens dans l'hôpital que ne pas l'aider à pire et se mourir dans l'hôpital, quoi. C'est sûr. Après, c'est tout à fait normal que tu m'en veuilles. Et même moi, je m'en voudrais pas. Hein. En vrai, je vais pas te mentir. Si j'avais été à ta place, j'aurais eu la même réaction que toi. La confiance, c'est pas. Elle aurait pas été là, même à l'heure d'aujourd'hui. C'est sûr.
Mais ouais, mais faut arrêter de m'en vouloir. Hein. J'ai changé entre temps. Je me suis rangé. C'est vraiment d'être le meilleur qui soit dans tout ce que je fais. Dans... Même si par moment j'ai quelques pulsions du passé qui peuvent ressurgir selon ce que j'ai. Des pulsions. Bon, on m'a dit, on est entre nous. Je me dois de dire quand même la vérité. Parce que bon, on se connaît depuis longtemps et j'aime pas mentir aux gens que je considère énormément. Disons que j'ai, comme je t'ai dit, j'ai pas tout le temps fait que du propre. Oui. Et il y a pas longtemps, disons que un petit groupe m'avait demandé de tester certains membres de leur, on va dire, association. Et disons que quand c'est comme ça, j'ai tendance à me donner vraiment à cœur joie. Je suis... Oui, t'as un côté sadique, quoi. Ouais, j'aime bien faire durer le suspense. Mm-hmm. C'est vraiment... C'est... Comment dire ça ? T'aimes bien avoir le dessus. Ouais, voir ça comme ça. Tant que je sais que j'ai la situation entre les mains, il y a vraiment pas de soucis. Tu domines, quoi. S'il y a un... Ouais, on va dire ça. Ouais, on peut voir ça comme ça. Et donc du coup, je suis quelqu'un qui... C'est bizarre, moi aussi j'aime dominer. Ok, ouais bah... Pour ça voilà. Que je suis caporal. Non, je vais pas dire ça. Ah bah bravo. Donc ça, je peux donner des ordres. Je suis médecin-chef. C'est pareil. J'aime bien piétiner les gens. Ah, après, j'adore voilà. Faire les grosses couilles. Aïe aïe aïe, vas-y. Oh, oh pardon. Bah c'est vrai. Non, tu vois, avoir une M4 dans les mains, montrer en face de la personne qui braque une banque, excuse-moi, ça me donne de... Ah ah ah, voilà, bref. Ah ouais, je m'en souviens. Mm-hmm, j'étais présent. Je crois même qu'il s'est évanoui. Non. Presque. Oh là là. Effectivement, voir une M4, ça... C'est impressionnant, mais ouais. Y a pire qu'une M4, hein, j'ai envie de dire. Ouais, mais bon, encore, on évite quand même. Hein, chez les shérifs, ça va, hein. Vous êtes gentils encore, vous sortez que les M4. Bah, on n'a pas le choix, on a que ça. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Sinon, il faut qu'on demande à l'armée, etc., etc., sortir un tank ou un insurgent... Bah, y a pas de soucis, je veux bien passer mon PPA. Pas attends. Allô ? Ouais, si, juste pour information. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est sortir mon gros tank. Attends, pardon. On vient de m'appeler pour me dire, moi, ce que j'aime, c'est sortir mon gros. Ah. Oh, je pense avoir une idée de qui ça pourrait être. Bon, qui ça ? Oh, alors, c'est simple. Moi, je miserais sur un 09. Non. Vraiment un... Ah, mince. Non, moi, je miserais sur un shérif. Le shérif. Le grand shérif. Ah, monsieur Montgomery ! Oui. Eh ben, félicitations à lui, hein. Oh, bordel de merde. Il en rate pas une. Et... Il manquerait plus qu'il y ait un éploi qui m'appelle pour me dire « Moi, ce que j'aime, c'est sortir... » Alors là, mais... mais je rigolerais, quoi. Aïe, 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 aïe. Ce serait vraiment le summum. C'est incroyable. Du coup, ouais, effectivement. Tu vois, genre, si je pouvais travailler en talon aiguille pour marcher sur les individus quand je suis en talon... Ouais, j'imagine. Ce serait vraiment le kiff. Ah, t'imagines, pouvoir mettre son talon sur la main de... Ouais, quand je l'arrête, là. Tu sais qu'en plus, je sais courir avec des talons, hein.
Ouais, ouais. Genre, moi, il se met en talon, il tombe. Bonne nuit, monsieur Boiteux. Tu veux me voir courir en talon? Tu veux que je te course? Viens, on va là-bas, je vais te courser, tu vas voir. Viens là. Genre, tu vas me courser. Ouais, je vais te courser, ouais. J'espère que tu cours vite, Mathieu. Allez, cours mon petit. Attends, attends. Madi, à tout moment, je m'arrête, je te fais un crochet. Tu sais. Allez, vas-y, cours. Non mais attends, toi cours. Bah non, le but c'est que je te rattrape, non? Vas-y. Allez. Let's go. Le problème, c'est que si on court à la même vitesse, ça va être compliqué, hein! Ah! Voilà! Croche-patte! Comme ça, tu t'arrêtes. Et je te soulève. Allez. C'est bon, j'arrête. Vous êtes en état d'arrestation. Oh là là. Je cours plus vite que vous. J'ai pas de menottes sur moi. Ah, c'est pas l'eau. J'ai juste ça. Oh, c'est. Oh, le diggle. Oh là 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 là. Il est bien coincé dans ma ceinture là. T'inquiète. Alors, t'as vu, pour une fois, je suis gentil. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai mon holster à la ceinture, mais je n'ai pas d'arme sur moi. C'est pas vrai. Voyons, je peux regarder? Vas-y. Alors, attends, bouge pas. Je me mets d'abord en service. Bonjour, monsieur. Je vous fouille. Bonjour. Et pour le travail. Faut pas faire attention aux trois téléphones. Toujours plus. Ouais, y en a un qu'il faut que je retire là. Oh, du lait. Mmh. Oh, du bacon. Bref. Ouais. C'est tout ce qui m'intéresse. La manger. Oh là là. T'as vu, pas vraiment pas d'armes. Même pas un petit couteau ou une hachette. Vraiment. Si j'avais voulu t'empêcher de... Deux secondes. Cette manière de courir là. Comme un alien. C'est trop fun. Ah, je suis désolé, j'étais obligé. Vous êtes en état d'arrestation. Pour excès de beauté sur la voie publique. Ouais, on... Oula, tu... T'es essoufflé un peu. Je fais des grands pas, là. Ah ouais. Et là, comment je marche? Oh là là. En mode équilibriste. Et ouais! Mhm. Oh yeah! Aïe aïe aïe. M'a dit débarque. Si, c'est dans la place. Mais c'est ça le truc, il faut que je trouve une démarche, tu vois. Marche en mode bad girl. Y'a rien qui t'arrête. Y'a rien qui m'arrête? Y'a vraiment rien qui t'arrête. Allez, c'est parti, y'a rien qui m'arrête.
Y a rien qui m'arrête. Hein. C'est quoi? Y'a rien qui m'arrête. Regarde. Y'a vraiment rien qui t'arrête. Non, y'a vraiment rien qui m'arrête. Oh là 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 là. Oh putain, y'a rien qui m'arrêtait. Oh là 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 là. Oh, oh là là, à part le lumbago. Et le lumbago, il m'arrêtait. Ouais. T'as un truc là? T'as pas un 10 balles là? À l'époque, ouais. Aujourd'hui, non, non, non. Ouais, non, mais tu vois, genre moi j'ai acheté un gros calibre. Oh putain, j'ai bien boire une bière là. Ok, je crois que j'ai fumé un pet de trop. Ok. Ah, m'a dit sous crack. Attends, attends. Oh putain de merde. Bah dis trop oh, de bière. Oh putain de merde, j'ai bu une bière du trop là. Ouais, t'as un problème? Tu cherches la merde? Tu veux te battre, c'est ça? Hein? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Ouais, trop bien, on va à l'école. On rentre à l'école. Tiens, regarde, on va à l'école. C'est toi qui as pris l'opium ou c'est moi? Non, c'est... quoi? Comment ça t'as pris l'opium? Quoi? Non, 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 j'ai pas pris l'opium, je rigole, je rigole, je rigole. Moi, je m'en vais à l'école. Parce que l'école, c'est trop bien. Let's go. Ok. Ouais. Non, bah, celle-ci, elle est... J'ai un... Dire basique. Ouais, non. Regarde-moi cette... regarde, regarde comment je suis... Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est trop droit en fait, c'est trop riche. Ouais, ouais, avec ma M4. Aïe aïe aïe. Avec des sias, prise 66 est dans la place. Bon, je vais marcher comme un bonhomme, hein, tant pis. Hein. Aïe aïe aïe. Bah, y'a pas le choix, hein, j'ai l'impression. Hein. J'écoute. Ah, c'est pas mal comme ça, hein. Bah, ça fait... Ouais. Bon, en tenue de flic, hein. Bah ouais, parce que là, ça fait pas trop, mais sinon... Et voilà, tu l'as enfin trouvé, Mati. T'as des marches signatures. Ouais, bon, à peu près, hein. Ouais, après ça c'est des détails, on va dire, qui viendront avec le temps. Ouais, bon, je vais te raccompagner jusqu'au centre. En ville, je veux dire. Parce que je vais pas tarder là. J'ai l'heure du mat. En tout cas, merci à toi encore pour cette soirée. Hein. C'était pas grand chose, hein. Il y a plus eu de la déconnette qu'autre chose, mais... Ouais, je sais bien, mais... Ça fait du bien, quoi. C'est sûr. Allez, direction la ville. Yep. Je me concentre pour conduire, hein. Je regarde là, très près le volant, là. Vas-y. Je vais juger ta conduite, alors. Je regardais très près le volant, hein, vraiment. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, là tu ralentis. Oh, putain de merde. Voilà, c'est bon. Ah, ça c'est droit, ça c'est fluide. Attention. Vraiment faire attention sur les déportés. Wouh ! Hop là, doucement. Le but c'est pas de nous envoyer dans le décor. Virage.
Ouais, comme ça, c'est bon. Mais... Attention. Mais c'est lui, là. Ouais, wow. C'est concitoyen. Ils sont plus cons que citoyens, par moment. Oui, oui, oui. C'est ça, le problème. Attends, je vais essayer. Oh, putain. Là, la conduite, elle est incroyable. Je me concentre aussi. Non, c'est pas possible. Oh là. Avec le drone. Oh. Si tu y arrives, je te dis chapeau. Attends, je vais réessayer. Vas-y, vas-y. Pour l'instant, on est sur une ligne droite, c'est tranquille. Je t'amène à l'hôpital, c'est ça? Hôpital ou fourrière. Je pense plus fourrière qu'hôpital. Ça doit pas assez grand monde. Oh putain de merde, c'est trop chaud. Vas-y, c'est tranquille, c'est tranquille. Jusque là, ça va, c'est stable, c'est fluide, c'est correct. Magnifique virage, il y a vraiment rien à dire. Jean, je surveille, vas-y, vas-y, tu... Bon. Tu y es presque, ah. Hein, tu y es presque. Hop là, t'as touché un feu. J'ai pris un poteau. Là, on y est. Ah, bah, je te félicite. T'as ton permis. Ah, c'était trop chaud en vrai. Ouais, non, faut être déter vraiment pour le faire. Ouais, ah, c'est qu'ils font, ils sont chauds de fou. Moi, j'essaye pas, c'est pour dire. Non, parce que je suis en moto et de deux. Ah ouais, en moto. Parce que je suis en moto. Ouais, ouais, c'est... Non, en moto, je monte à 210, 220. Bon, bah écoute, je te dis bonne nuit et puis. Et puis peut-être à demain. Ah non, yep. Demain je suis pas là. Ah ok, ok. Bah. Du coup, bah dimanche. Tu seras le retour alors. Ouais, normalement dimanche. Ah ok, ok. Voilà, voilà. Eh bien écoute, bah. Bonne soirée. Merci à toi aussi, Maddy. Et c'est un soldat à terre. Mais 74, il veut pas être avec Maddy dans tous les cas, donc. Bon, je vais vous laisser là-dessus, je vous dis bonne